Live. Ok, ok. Bonsoir à tous. Hello. Est-ce que vous nous entendez bien, les spectateurs? Si vous pouvez nous le dire. Ouais. Nickel, ok, c'est parfait, génial. Bon, bah, merci à tous d'être là en tout cas, merci aux garçons d'avoir répondu présent à l'invitation, c'est vraiment cool. Donc ce soir, nouvelle session masterclass, comme on l'a commencé depuis un petit mois à peu près. Et ce soir, on va parler organisation donc, de soirée Artstyle. Donc pour ce faire, on a trois organisateurs avec nous, Alexis en bas à gauche du Solar Fantasy, on a Franck en bas à droite de Hard Pulse et Guillaume, bien sûr, de On Case Music. Donc, bonsoir les gars. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon confinement. Et puis voilà, je pense que ça va être une soirée sympa où on va parler budget, on va parler sécurité, on va parler line-up, on va parler lieu, festival et tout ça, tout ça. En tout cas, merci à tous les téléspectateurs. Vous êtes vraiment nombreux, c'est vraiment cool. Et puis, on va commencer. Peut-être par les présentations, je pense, un petit tour de table virtuel comme on le fait d'habitude. Donc, je vais plutôt commencer, je vais commencer par moi. Donc, très rapidement, moi, je suis Solène de Masterclass DJ. Donc, je m'occupe avec une partie de l'équipe donc, de Masterclass. Donc, on propose des formations aux DJ pour apprendre à mixer, mais également pour apprendre à composer. Et à la fin de cette émission, j'aurai une très, très bonne nouvelle à vous annoncer puisqu'un nouveau module va sortir pour apprendre à composer de la musique Artstyle. Donc, restez bien jusqu'à la fin et vous saurez tout. Du coup, on va faire notre petit tour de table virtuel. On va commencer par toi, Guillaume. Je te laisse te présenter. Qui es-tu? D'où tu viens? Et voilà quoi. Alors, salut, moi c'est Guillaume de l'association On Case. Je suis dans l'événementiel depuis 10-11 ans et dans l'organisation de festival depuis 2 ans, 3 ans, ouais, 3 ans. Ouais. Voilà, donc 3 zéniths et un parc expo en 3 ans. D'accord, ok. Ça vous va? oui, ça va. Donc toi, tu es passionné de hard music, de hard style, etc. Depuis combien de temps à peu près? J'ai découvert ça en 2014, ah ouais. Automo Roland, ouais, c'est récent. D'accord. C'est très récent, je viens du milieu du rock à la base, enfin, j'écoutais beaucoup de rock, puis après j'ai écouté un peu de techno, et puis je suis tombé sur ça, et je suis allé au premier Climax, c'était pareil, c'était 2014, et quand je suis revenu, je me suis dit, voilà, il faut faire ça ici, en France, et voilà, ça m'a motivé. D'accord. Et donc, tu as fondé On Case tout seul ou vous êtes plusieurs? On est plusieurs. Alors, au début, On Case, c'était une asso pour faire de la techno et de la trance, parce que vraiment, on était dans ce style de musique. Ouais. Et petit à petit, on a voulu organiser quelque chose de gros et on s'est dit, la techno, il y a déjà des gens qui en font. Mmh. La trance, pareil. Et il n'y avait pas tellement. Enfin, il y avait rien de semblable à ce qu'on trouve aux Pays-Bas, donc on s'est mis à faire ça, quoi. Voilà. Ok, d'accord. Donc, les autres de l'asso, il y a Paul qui est trésorier, il y a Adrien qui fait la logistique, William qui est notre président et moi-même. Voilà. D'accord, ok. Ok, ça marche. Bah, je te remercie pour ta présentation. On va passer à toi, Alexis. Donc, toi du Solar Fantasy et de l'association l'UCM Media and Fun. Je te laisse te présenter. D'où tu viens? Exactement. Je viens de la ville de Lucet, puisque en fait, ouais. Le nom Lucet Median Fun, le premier mot, fait référence à un petit village qui s'appelle Lucet-Mal, qui est là où on organise le festival, donc comme tu l'as dit, Solar Fantasy. L'asso, on l'a créé en 2015, donc il y a 5 ans, et on a organisé un premier festival indoor, donc très petite taille, hein, et puis petit à petit, on a augmenté jusqu'à aujourd'hui avoir Solar Fantasy qui est un petit peu plus grand. Ouais. Voilà, donc qui est centré hardstyle, mais pas que, c'est-à-dire qu'on joue un peu aussi d'autres choses avant. Il y a des fans de hardstyle, mais pas que, il y a aussi de la techno, de la house, un peu de trance aussi. Ouais. D'accord. Et le solar, pour nous donner une idée, c'est à peu près combien de festivaliers?
Alors l'année dernière, on a fait autour de, on va dire autour de 2000 personnes à peu près. Ok, c'est lourd. Et du coup, c'est sur 3 jours, c'est bien ça ? Sur 2 jours. Voilà. Le 3e jour, okay. tu dors globalement. Mais un peu, 2 nuits, quoi, 2 soirées, vendredi, samedi, et voilà, les festivaliers. Donc il y a le camping qui est intégré. C'est un peu à l'image des festivals, des gros festivals dans lesquels on peut aller en Belgique, Hollande, ouais, on va dire. Et donc, voilà, le but c'est d'avoir les festivaliers qui restent là sur le week-end. Mais ouais, c'est beaucoup plus, c'est mieux en termes de sécurité déjà pour eux et pour Alors, d'une part, ouais, puis ça permet vraiment de enjoy à fond quoi le week-end, c'est-à-dire que ouais. Vraiment en profiter. Et puis même sur le camping, c'est un milieu sympa. Enfin, j'imagine que vous qui avez fait des événements aussi, on fait plein de rencontres. Enfin, le festival c'est à la fois la musique, mais c'est aussi tout ce qu'il y a autour quoi. C'est clair. Bah super. Bon, vas-y Franck, je te laisse à ton tour te présenter. Eh bien, Art Pulse, donc ça a commencé en 2014. À la base, c'était qu'un site internet, parce que j'étais frustré de pas trouver les soirées hairstyle où elles se trouvaient en France. Et je m'étais dit, je suis clairement pas le seul dans cette merde. Du coup, je me suis dit, je vais faire un site et je vais lister toutes les soirées de France en les cherchant un à un. Et ça a été ça pendant 2 ans en fait, Art Pulse, de 2014 à 2016. On était deux dessus. Et c'est comme ça qu'on a généré une communauté assez sympathique, une traction assez forte d'ailleurs. Et jusqu'au jour où on s'est dit, vas-y, on va essayer de faire une soirée pour voir ce que ça donne. Et c'était l'After Fête de la Musique 2016. Et 2016. Ouais, c'est ça. Donc soirée gratuite, 150 personnes à Pigalle dans un club, tu vois. Et les gens étaient dingues, ils ont dit c'est ouf et tout, continuez. Et on est rentré dans une démarche de soirée mensuelle, gratuite sur donation. C'est un peu comme ça qu'on a vraiment connu une forte croissance. Puis on a tout de suite misé sur la technoparade. Donc deux fois la technoparade, deux chars qu'on a fait en 2017 et en 2018. Ouais. Et donc c'est un événement assez sympathique, hein, 300 000 personnes dans Paris. C'est quand même quelque chose. Donc on a ramené pas mal de DJ internationaux à partir de ce moment-là. Et ensuite on a switché sur des soirées un peu plus quali avec Guest NL notamment dans Paris. Et on s'est exporté petit à petit à Grenoble, Chambéry dernièrement, où on crée un peu un nouveau festival qui s'appelle Spark. Et là, on a fait la première édition en janvier, celle de mars qui était annulée par le Covid. Et voilà, après, plusieurs choses autour de Art Pulse, tu vois, on ne fait pas que de l'événementiel, on fait aussi de l'éducation, il y a de la formation en ligne, donc masterclass, comme tu fais très bien. Et on a aussi une agence de booking où on rassemble tous nos artistes et on les pousse en fait à des festivals mainstream pour injecter du hardstyle dans les lieux où il n'y a pas d'hardstyle. C'est très important. On est vraiment dans cette démarche en fait de popularisation de ce style. Donc voilà un peu l'histoire de Art Pulse. Aujourd'hui, on bascule vachement sur Twitch. On essaye de réinventer un peu l'événementiel online et tester plein de choses. Voilà un petit peu l'overview de Art Pulse. Ouais. Écoute, je te remercie. Hein. C'était très clair. Bon, du coup, les gars, du coup, Alexis, moi, j'ai une petite question. L'événementiel, c'est ton métier, ton job à plein temps ou pas du tout? Alors, pas du tout. Je suis dans un domaine complètement différent, dans la recherche. Donc, ça n'a rien à voir. Cependant, j'ai un métier qui est assez flexible, donc ça me permet de dégager pas mal de temps. Ouais. Puisque dans l'asso, je suis évidemment pas le seul. Hein. On est nombreux à travailler tout au long de l'année. Et donc, à organiser tout ça sur notre temps de bénévole, on va dire. Ouais, d'accord. D'accord, ok. Et toi, Guillaume, donc, ça fait partie de ton job à plein temps, l'événementiel? Plus spécialisé dans la déco, si je ne me trompe pas, c'est bien ça? Non, le son et la lumière. Je travaille pour une société qui fait de la décoration, mais on a un pôle son et lumière, et du coup, je gère cette partie-là de cette société qui fait de la déco à la base. D'accord, ok. Bah, moi, je trouve ça vraiment cool de vous avoir sur le plateau, parce qu'en plus, vous êtes chacun un petit peu de régions différentes, vous avez un petit peu implanté le hardstyle un peu partout en France, donc c'est vraiment cool. Merci à vous de nous offrir ces soirées, en tout cas. Pour les téléspectateurs qui sont avec nous, n'hésitez pas à réagir et à nous dire si vous aussi vous êtes dans l'événementiel art style ou pas, ou si vous êtes simplement festivalier. Voilà, c'est vraiment une soirée où on va tous discuter et échanger nos points de vue. Donc si vous voulez bien, moi je vais vous proposer au départ une sorte de petit jeu, on va dire. Donc, je vais vous donner à tous les trois et bien sûr à vous aussi, les téléspectateurs, des affirmations. Et vous allez devoir dire si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec l'affirmation. Donc, bien sûr, ça tourne autour de l'événementiel, hein, et de tous les thèmes que ça regroupe.
Pour ceux qui sont sur le chat, n'hésitez pas à réagir également et dire si vous êtes d'accord ou pas d'accord, ou mettre un pouce ou un pouce dans l'autre sens, si vous êtes d'accord ou pas, et surtout dire pourquoi. Alors, c'est parti. Si c'est bon pour tout le monde, je vais y aller. Qu'on soit en indoor, outdoor, petit ou grand festival, la première chose à faire est de trouver un lieu. Qui est d'accord, qui n'est pas d'accord? Qui commence du coup? Comme vous voulez. Vas-y, Guillaume. Bah, disons que sans lieu, c'est un peu compliqué quand même. Hein. On peut organiser ce qu'on veut, mais oui, c'est vrai que le plus dur et le plus délicat, c'est de trouver le lieu et d'avoir les autorisations, de pouvoir faire pour n'importe quel événement, d'avoir l'autorisation de produire dans ce lieu-là. Ouais. Nous, c'était quand même assez compliqué. Parce que déjà, il faut que le lieu soit disponible. Puis après, il y a la concurrence qui va bloquer des dates, qui va mettre des exclusivités sur les timings. Et puis après, il faut qu'il y ait des autorisations d'ouverture tardive. Et pareil, avec des débits de boissons. Est-ce qu'on peut avoir le bar, pas le bar? Donc, le choix du lieu, puis même la géolocalisation aussi, c'est très important. Selon où on va être situé par rapport à notre type de public. Ouais. Parce que du coup, vous avez fait What the Case au Parc des Expos et Art Case au Zénith. Lequel était le plus compliqué, on va dire, à obtenir? Le premier, parce que c'était le Zénith. Donc, c'était notre premier Zénith. Donc, ça a été compliqué d'avoir un premier lieu. C'est vrai que pour le Parc Expo, c'était plus facile parce qu'on arrive avec quelque chose, voilà, on fait ça. On veut faire ça chez vous, voilà, c'est moins plus simple. Alors que le premier Zénith, ça a été quand même assez compliqué. Mais le fait de travailler dans l'événementiel depuis de nombreuses années et les relations m'ont permis de. Voilà, c'était quand même plus simple d'avoir le lieu que, je pense, une personne qui débarque comme ça et qui n'a pas de relation. Parce qu'il y en a beaucoup qui ne répondent pas du tout de lieu. On a cherché des sites un peu dans toute la France et personne n'a répondu. Voilà, parce qu'ils ne nous connaissaient pas, donc ils envoient un devis, mais après ils répondent plus. Une fois que c'est lancé, une fois que le premier événement est fait, que tout se passe bien, c'est beaucoup plus simple pour la suite. Ouais. Est-ce que vous êtes d'accord, du coup, les garçons aussi, c'est assez compliqué, ça a été compliqué pour vous aussi de trouver un lieu? Toi, Alexis, ça a été... Comment? Alors moi, c'est un petit peu complètement différent. Je rejoins complètement ce qu'a dit Guillaume. C'est vrai que c'est très difficile de trouver un lieu, mais nous... C'est un petit peu l'inverse, en fait. Le Solar Fantasy, par définition, il est à Lucet. Puisque c'était là, c'est une longue collaboration avec la municipalité qui nous aide beaucoup, qui est très contente aussi qu'on organise ce festival. Ça fait connaître un peu la commune et tout. Donc, voilà, c'est un partenariat gagnant-gagnant, on pourrait dire. En plus, bon, on est en outdoor, donc c'est plus facile. On est à la campagne, au milieu de rien. Donc, c'est facile de créer quelque chose. Le tout, c'est d'avoir quand même les autorisations. Il y a un certain nombre de choses à avoir en amont. Mais disons que, voilà, tout le monde va plutôt dans notre sens et même les voisins sont... Allez, on va dire, ils sont contents qu'une fois par an, ils entendent un gros boum-boum de temps en temps, et puis voilà, quoi. Mais c'est certain que vouloir aller dans les parcs expo et tout ça, c'est pas facile quand on commence. Cependant, je pense que le lieu n'est pas la première chose à trouver. Pour revenir sur la question initiale, je pense que la première chose à avoir, c'est vraiment l'idée. C'est quoi le déclic? Donc là, je m'adresse vraiment à ceux qui voudraient organiser des soirées un peu plus tard, Arsail ou autre chose, de manière générale. Totalement. Qu'est-ce qui va faire que ton festival, ta soirée, qui sera forcément un peu petite au départ, hein, tu ne peux pas commencer le premier jour avec un gros truc, qu'est-ce qui va faire qu'elle va être différente des autres, elle va se démarquer? Donc dans notre cas, c'était un peu tous le Arsail, tu l'as dit au début, Franck, sur Paris, il n'y en avait pas ou peu, donc il fallait chercher. Guillaume, tu as fait du Arsail parce qu'il n'y en avait pas, et nous, finalement, c'est un petit peu pareil aussi à l'UC Media & Fun, on était des fans de Arsail, on s'est rendu qu'en France, il y en avait peu, alors que à l'inverse, dans d'autres pays, il y a des très gros festivals qui marchent très bien. Donc, voilà, ce qu'il faut vraiment, c'est avoir le déclic. Qu'est-ce qui va faire que ce festival sera original? Mettre de la déco, mettre de la pyro, avoir une ambiance chaleureuse, tout ça. Enfin, voilà, réussir à se démarquer, quoi. Je pense que c'est ça le truc numéro un. Et en deux, le lieu, parce qu'effectivement, c'est quand même un gros point, quoi. D'accord, ok. Et toi, Franck, t'en penses quoi du coup? Est-ce que c'est le lieu ou alors le thème du coup le plus important? Alors, je dirais, ça dépend à qui on s'adresse, mais c'est clair que si je m'adresse à quelqu'un qui veut lancer des soirées hardstyle, c'est pas ce que je dirais en premier. D'ailleurs, c'est marrant parce que c'est aussi mon histoire. Hein. Le lieu, il a été
décidé 3 jours avant le jour J, malgré moi, simplement parce qu'on n'a pas eu... en gros, on s'est pris une interdiction 3 jours après. Avant, ça devait être dans un parc, en fait, à Paris, pour l'after fête de la musique. Et l'autorisation, on nous l'a enlevé 3 jours avant, tu vois. Et du coup, j'avais que deux jours, parce qu'on va dire, allez, un jour de com' pour essayer de rattraper les trucs, pour trouver un lieu de secours, tu vois. Donc, j'ai frappé un peu à toutes les boîtes dans Paris et j'ai fini par trouver. Et alors, je dis pas que, bien sûr, c'est un truc à regarder, mais ça peut être un vrai frein pour se lancer. Donc, c'est pour ça que j'aime pas trop dire que c'est la première chose à regarder. Mais dans tous les cas, ce qui compte, c'est est-ce que vous arrivez à rassembler des gens qui seraient assez intéressés par votre idée. C'est surtout ça. Si vous avez suffisamment d'indices pour que la réponse soit oui, normalement, vous devriez pas trop avoir de problème pour trouver de lieux. Quand je dis de lieux, c'est pas des lieux de festival, hein, parce que là, on parle quand même de très gros festivals entre Artcare et Solar Fantasy. Je pense que quand qui débute, je pense pas que ce soit une bonne idée de commencer comme ça, mais plus beaucoup plus petit. Tu vois, viser un petit club qui serait d'accord, petit partenariat, tu vois. Juste une petite remarque de l'indoor, effectivement, parce que le outdoor, c'est vraiment très très compliqué, hein, juste pour préciser. Donc, Moi, je reviens sur, pour trouver un lieu. On peut avoir toutes les idées qu'on veut et elles peuvent être sur des papiers pendant des années. Si on n'a pas un lieu qui nous dit OK, j'accepte votre projet, bah, on ne pourra pas le faire, quoi. Donc, dire que le lieu, c'est pas on peut avoir toutes les idées du monde. Nous, le Arcaze, on avait un dossier comme ça, on avait fait des sondages. Les gens, ils disent non, c'est non. Voilà. Donc, OK, il faut se lancer, il faut avoir des idées, il faut avoir des projets, il faut le mettre sur papier, il faut imaginer la chose. Mais cette chose aura vraiment du mal à se réaliser si ce premier barrage, on va dire, c'est de trouver le lieu. D'une certaine mesure, hein. Enfin, c'est un petit peu ça. En quoi ton projet est suffisamment original pour séduire? Enfin, globalement, j'imagine que les élites, ce qu'ils veulent, c'est qu'il soit plein et que ce soit rentable, globalement. Donc, maintenant, je pense que tu n'as plus trop de problèmes, tu montres bien que ça réussit. Mais effectivement, les premières fois, c'est vraiment ça, le premier passage... C'est vraiment le barrière. Hein, nous, vraiment, on a eu de la chance que le génie de Toulon nous accueille comme ça. Et ça nous a ouvert beaucoup de portes. Parce que après, même pour trouver des petits lieux, et malgré ça, malgré qu'on ait le hardcase derrière, trouver des petits lieux, c'est compliqué. Mais ça nous a quand même facilité. C'est-à-dire que les boîtes de nier nous disent « Ah bon, derrière, il y a quelque chose qui ressemble à ça. Donc, OK, on accepte que vous fassiez ça chez nous. » Ou des partenariats et tout ça. Mais si on n'avait pas le hardcase, moi, avant, quand je commençais à faire des petites soirées techno, j'avais pas de nom et que j'allais dans des petits clubs, même 300, 400 personnes. On me disait non. On me disait, moi, j'ai ma clientèle habituelle, pourquoi je vais faire une soirée avec toi, quoi. Voilà. Donc, tant qu'il n'y avait pas quelque chose derrière pour prouver, c'était quand même assez compliqué, quoi. Clairement. C'est pour ça que tu as tout à fait raison, Guillaume. Je pense que quand tu vises un zénith ou quand tu vises quelque chose comme ça, le lieu est primordial. C'est la première chose à penser, tu vois. Juste, je me mettais juste à la place de quelqu'un qui n'a pas d'argent, qui n'a pas de réseau et qui veut juste essayer de lancer un petit truc dans sa ville, tu vois. Et c'est vrai que là, je pense que lorsque tu arrives à rassembler une communauté, en fait, c'est grâce à notre site, hein, que j'ai réussi à convaincre des gens. C'est clairement parce qu'on avait une petite traction, des gens qui nous suivaient, un petit nom déjà dans le milieu, et que moi, j'ai présenté ça derrière au petit patron de Pigalle qui n'avait pas de plan pour la fête de la musique et qui a dit « Mais franchement, ouais, go, on peut tester, on verra bien si ça foire ou pas. » Je parle vraiment dans ce cas, c'est assez précis, mais je pense que ça peut concerner une majorité de personnes qui n'ont pas trop d'argent, tu vois, et qui n'ont pas trop de réseau peut-être. Mais clairement, par contre, si tu veux balancer du zénith ou quoi, là, à mon avis, c'est clairement là, ouais, je suis très d'accord avec toi, Guillaume, clairement. Après, généralement, une remarque sur le réseau. En fait, nous, dans notre cas, l'UC Media & Fun, c'est un peu ce qui s'est passé. Déjà, on a créé notre réseau de nous, tout simplement. Et en fait, une communauté organisatrice qui avait envie de faire quelque chose, qui aimait le hardstyle et qui contribuait à le diffuser. C'est-à-dire que de cette manière, on a réussi à faire venir à nos événements des gens qui écoutent pas du tout du hardstyle au départ. C'est juste d'amis, puis ah ouais, regarde, c'est pas mal, il y a une bonne déco, il y a des bons trucs, allez, on y va. Et puis, bon, le hardstyle, finalement, c'est quand même assez accessible. Ok, le BPM est fort, mais bon, t'as des leads un peu dans tous les sens. Ça se passe bien quand t'es en festival, c'est assez abordable, finalement. C'est bien une musique qui va enjailler sur ce genre de trucs. Ouais. Donc, effectivement, avoir un petit réseau, je pense, chez nous, on a eu un groupe qui a commencé comme ça, à Tours, c'est Conspiracy. Qui a créé beaucoup de petits events un petit peu partout et qui a réussi à la fin à faire un tour de France globalement. Ils ont fait un tour de France de plusieurs petits nightclubs. Donc, donc c'est cool, quoi. C'est une belle réussite ce qu'ils ont fait. Bah, de toute façon, pour moi, chaque soirée Artstyle est une réussite puisque on est là pour développer ça en France et
c'est toujours un plaisir de, d'avoir ça un peu partout en France. Donc, si vous voulez bien, on va passer à la deuxième affirmation qui concerne un petit peu les bénévoles et tous ceux qui se cachent derrière vous, enfin qui sont avec vous plutôt. L'affirmation, c'est « je peux y arriver tout seul ». Est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord ? Alors, y arriver pour organiser une soirée ? Ouais. Ça dépend quoi. Oui, voilà. Arriver à monter un projet et commencer à organiser ou monter le projet complet ? Je vais aborder un peu les différents angles de cette question. Je pense que démarrer un projet, clairement, on peut être tout seul. Il faut pas. Pour moi, c'est une très mauvaise excuse de dire je suis seul donc je peux pas commencer. C'est le meilleur moyen pour jamais commencer. Mais clairement, si t'es assez passionné et assez déterminé sur ce que tu veux faire, normalement, tu devrais pas trop avoir de problèmes pour trouver des gens qui te suivent. Il faut juste très bien partager ta passion et normalement on remarque si ça l'est vraiment, si tu as déjà des potes dans ce milieu-là et qui peut largement être adhéré à ton projet. Maintenant, clairement, si on rentre dans le process d'organisation, oui, clairement, il te faut des mains, il te faut des gens qui soient complètement alignés avec ta mission, qui soient complètement alignés par ce pourquoi vous le faites. Et clairement, oui, mais pour démarrer, non. Si t'es assez déterminé, assez passionné, la passion, elle est très contagieuse, elle se diffuse bien et généralement, ça aide beaucoup à convaincre quelqu'un pour travailler pour ça. Après, il faut juste simplement après fédérer les gens autour de ton idée et que ça prenne quoi autour de toi. Clairement. Mais là, du coup, Guillaume, je pense que ça peut être intéressant que tu nous parles. Alors, je connais pas trop Silent Fantasy, mais comme j'ai vécu un peu le Hard Case 1 de l'intérieur. Je pense que tu peux, t'auras pas mal de choses à dire sur tes bénévoles, sur comment tu les gères. Ouais. C'est vrai que moi, le Arcade, j'ai eu l'idée tout seul, mais depuis un moment. Puis, à force de vouloir le faire avec l'asso, j'ai un collègue qui m'a dit: ah, mais tu fais quoi là entre midi et deux? Je veux monter un festival. Du coup, je veux bien t'aider. Donc, du coup, on s'est retrouvés très vite à deux. Puis 3, puis 4, puis 5, puis quand on a lancé, on avait commencé avec un sondage pour savoir quel lieu, quel artiste, etc. pour le festival, plutôt un outdoor, un indoor, etc. Et là, il y a eu énormément de gens qui sont venus d'eux-mêmes dire: nous, on sait faire ça, on aimerait bien participer à ce projet qui est pour le moment juste une idée, un projet, quoi, qui est juste un sondage. On sait faire ci, on sait faire ça, et tout de suite, on est passé de 2 à une bonne dizaine rapidement, puis au fur et à mesure, on a rencontré de plus en plus de monde qui se sont greffés au projet, et là, sur la troisième édition, même déjà au What the Case, on a une équipe, on est plus de 50, tous passionnés à bosser bénévolement, et chaque bénévole ramène encore une personne, etc., du coup, ça grandit, et voilà, tout simplement... D'accord. Et donc, du coup, à gérer 50 personnes, ça doit quand même être pas facile, j'imagine. Alors, en fait, chacun a son poste et vu que ça fait plusieurs années maintenant, chacun sait ce qu'il doit faire. Chacun connaît. En fait, il y a des chefs d'équipe qui connaissent du coup leurs équipes, qui savent déjà ce qu'ils vont faire. Donc, un petit brief et puis ça va assez vite quand même. Mais pour revenir au début, donc sur se lancer tout seul, oui, vous pouvez y aller tout seul. Et c'est beaucoup plus simple quand vous êtes seul parce que c'est vos idées. Donc, il n'y aura personne pour vous dire: non, mais c'est peut-être mieux de faire comme ça. Non, mais c'est peut-être mieux de faire comme ça. Parce que, en faisant ça, vous n'arrivez pas, en fait. Ça avance vraiment. Enfin, c'est très difficile. Voilà, je vois maintenant qu'il y a plus de monde. À un moment donné, on n'avance pas parce qu'il y a chacun qui donne son avis. Donc, c'est bien, il faut que tout le monde donne son avis. Mais au bout d'un moment, trop d'avis et on met beaucoup moins de temps à avancer. Donc, voilà, n'hésitez pas à vous lancer tout seul au début. Et puis, les gens, ils vont vous suivre. En plus, maintenant, avec le nombre d'associations qu'il y a, vous trouverez toujours de l'aide auprès d'une d'entre elles, donc allez-y, foncez quoi. Foncez. Et quant à toi, Alexis, du coup, t'en penses quoi ? Je partage complètement. J'ai une petite citation qui va bien pour illustrer ça, c'est que tout seul on va plus vite et ensemble on va plus loin. Globalement, ça résume totalement. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement, alors il y a de ça, c'est-à-dire qu'au début, il faut vraiment une impulse, il faut vraiment que ça avance, quoi. Mais à un moment donné, on a besoin de beaucoup de monde, hein. On a besoin de, forcément, enfin, ça paraît une évidence. Dès que t'as un gros festival, il faut plein de gens qui s'occupent de plein de trucs. Donc, voilà, réussir à gérer une équipe, nous, c'est pareil, on a une cinquantaine, à peu près. Et on est tous bénévoles. Donc, gérer des bénévoles, c'est pas facile parce que l'engagement de chacun, il dépend de ce qu'il a envie d'y mettre, hein. Il n'y a pas de bâton, il n'y a pas de carotte. Enfin, si,
la carotte, c'est le plaisir d'organiser un event et que ça réussisse, quoi. Mais c'est tout, globalement. Donc, il faut vraiment avoir une équipe motivée et puis, bah, on prend du plaisir, globalement, hein. Enfin, quand on est tous fiers de porter, voilà, un t-shirt, celui-là que j'ai là, ou, enfin, chacun dans son assaut a généralement le t-shirt de l'assaut et les gens sont fiers de mettre en avant leur couleur. Ouais. C'est ça. Donc, c'est quelque chose d'assez satisfaisant, effectivement. Et côté Impulse, du coup, il y a beaucoup également de bénévoles aussi, hein, Franck. Du coup, toi aussi, tu arrives bien à gérer tout ça et c'est plutôt fluide, etc. Hein, t'en penses quoi ? En fait, si tu veux, d'ailleurs, c'est des choses qu'on comprend aussi en exécutant. Tu te rends compte de plus en plus que pour que ça coule, comme tu dis, tu vois, pour que tout soit naturel et que tout fonctionne bien, que les rouages. Il faut vraiment que la culture soit forte au sein de l'association, que la vision soit très claire pour tout le monde, que les bases soient communes pour tout le monde. Donc nous, on a fait un espèce de manifeste, tu vois, sur lequel on est tous d'accord, qui représente l'association, qui on est, ce pourquoi on le fait, et on se le répète à chaque fois qu'on se voit en réunion, on se dit, on remet sur le tapis ce pourquoi on le fait, tu vois. Et je pense que on s'attarde trop, moi le premier. Souvent dans les réunions ou dans ce qu'on décide de faire, etc., on parle trop de ce qu'on fait, donc le what, tu vois, donc vraiment concrètement la soirée, le thème, le line-up, le machin, un petit peu trop par rapport à, mais attends, pourquoi on le fait déjà, genre c'est quoi le but de ça, et si ça c'est pas clair, tu te rends compte qu'en fait on peut aller déjà dans tous les sens, comme dit Guillaume, et c'est très vrai, et puis aussi c'est la passion, et puis tout l'énergie que tu vas mettre dedans sera pas trop la même, tu vois, et surtout on sera plus trop aligné entre les membres. Et là, ça peut créer des vrais soucis. Mais pourquoi t'as fait ça? Parce que normalement, c'était ça. Ah, mais non. Mais, et tu vois, et si on comprend tous, par contre, pourquoi on le fait, logiquement, déléguer est relativement simple. Mais la partie la plus compliquée de tout ça, c'est de poser ses bases, en fait, et d'inspirer ces gens-là autour d'une même vision, tu vois. Elle est là, je trouve, la principale difficulté. D'accord. Merci pour vos réponses. Alors, on va passer à une autre phrase. Alors, booker un DJ Enel, c'est compliqué. D'accord ou pas d'accord? Si t'es millionnaire, c'est pas compliqué. D'accord. Non, un DJ Enel, il y en a vraiment des pas chers. Hein, donc, il n'y a aucun problème. Hein. Aucun problème. Il suffit d'envoyer un mail à l'agence. Hein, généralement, ça se passe comme ça. Après, le prix est un autre sujet. Parce qu'en effet, voilà, si vous êtes tout nouveau, vous ne connaissez personne en réseau, vous allez probablement payer le plus cher. Quoique, franchement, si vous démerdez bien, vous expliquez que vous êtes une asso, vous n'avez pas d'argent, vous essayez de faire un truc, il y a des agences qui peuvent faire des cadeaux sur des petits DJ. Mais après, oui, tout se joue sur le prix avec le réseau. Si tu connais un tel, tu connais un tel, tu peux essayer de tu vois, et voilà, on est une asso, on sait pas si on va atteindre le fameux break even, donc le fameux 0€, tu vois, on peut, tu vois, mais dans tous les cas, en tant que process, on sait simple, c'est un mail, hein, ça s'arrête là. Ouais. Et toi, au Solar, tu as fait appel à des artistes Enel, Alexis, ou Alors, pour cette année, oui. Ouais. Mais malheureusement, ça a été annulé, hein, pour des raisons que vous connaissez. Bien sûr. Jusque-là, nous, on était partis de très petits. Hein, donc, au départ, on va y revenir un peu plus tard, mais le line-up n'était pas notre priorité initiale, on va dire. Voilà, on était vraiment sur la soirée, le concept, avec évidemment la cible, qui était ici, d'avoir un peu notre Graal, on va appeler ça comme ça, d'avoir des NL et des grands noms qui puissent venir un jour. C'est une certitude, mais on voulait pas brûler les étapes. Donc cette année, on avait des noms intéressants qui seraient venus. Malheureusement, c'était annulé, mais du coup, on en aura ceux-là ou d'autres l'année prochaine, c'est certain, ça sera partie de nos standards désormais. Effectivement, enfin, c'est une bonne cible d'accroche. Après, je vais défendre un peu les Français. On essaie tous de défendre la scène hardstyle, donc booker des NL, pourquoi pas, mais bookons aussi les Français, parce qu'on a de très bons DJ, les DJ de l'agence Harmony et d'autres aussi qui font du bon travail. Donc bien sûr. On est un petit festival et qu'on veut démarrer, c'est peut-être plus simple de partir sur du français déjà. Il y en a qui font très bien le boulot, et puis effectivement, si on peut faire venir des papas du hardcore ou des ceux qui envoient des gros kickros, pourquoi pas, quoi. Donc, vous seriez plutôt pas d'accord, hein, plutôt vous, Franck et Guillaume, pour vous, ça serait pas forcément compliqué, quoi. Il suffit de contacter l'agence. Non, en plus, il y a des petites agences, des sous-agences
avec des petits artistes qui débutent et qui des fois se retrouvent sur les warm-up de gros festivals, et c'est pas cher vraiment. Et puis des fois, enfin, quand on prend des packages, on va dire qu'on prend plusieurs artistes, des fois même ils nous les placent, parce que pour eux aussi ça leur permet de placer du DJ sur des événements, pour les mettre en avant et du coup les faire monter et les faire plus connaître. Donc c'est pas parce que c'est hollandais que c'est inaccessible. D'accord. Voilà, pour compléter la réponse de Guillaume, effectivement le plan c'est peut-être aussi d'écouter pas mal de musique, de voir qui c'est qui vient de sortir un son qui vraiment a l'air de vraiment péter mais qui n'est pas encore connu pour le moment, et essayer de le booker. Des fois c'est des gens qui peuvent passer peut-être même en direct sans agence ou des trucs comme ça. Ça peut être des plans faciles et pas trop chers, quoi. Ouais, surtout des petits qui débutent, qui sont pas qui sont pas super connus, ce sera plus simple, je pense. Ouais, enfin, Hollande, c'est un petit pays, mais ils ont un nombre de DJ incalculable, quoi. Enfin, ouais, ça, c'est clair. Enfin, c'est un clair. Peu de même en Suède, d'ailleurs, plutôt sur la techno, pas tellement sur l'hardstyle, mais il y a des pays qui ont une culture musicale électronique très développée. C'est clair. Prochaine affirmation. J'ai besoin de compétences en événementiel pour me lancer. D'accord ou pas d'accord? Pas du tout. Alors, ça dépend ce que tu veux faire. Tu vois, c'est bon, encore une fois, ce que tu veux faire. Tu veux faire un hard case, oui, je pense. Tu vois. Tu veux faire une soirée dans un club? Non. Non, clairement pas. Donc pour si c'est le mot se lancer, non, en vrai, pour se lancer, on a besoin d'un. Ouais. Et après, pour finaliser plutôt. Ouais. Mais pour se lancer, non. Moi, je dirais qu'il faut avoir le sens de l'organisation, on va dire ça comme ça. Celui qui veut un peu démarrer quelque chose, globalement, un festival, c'est un projet qui est vraiment multitâche. Il y a tout, il y a de la lumière, il y a du son. Il y a aucune personne qui est capable de gérer le son, la lumière, la bière, et, un line-up et tout. Donc, il faudra un moment forcément partager les tâches. Donc, il faut aussi qu'il y ait des gens qui organisent tout ça. Et je pense que celui qui veut créer un peu quelque chose, bah, c'est au moins la première étape, essayer d'être bien organisé et d'avoir un plan. Et c'est ça, il n'y a pas besoin de compétences en événementiel en tant que tel. Ce qu'il faut, c'est avoir un plan, se rappeler pourquoi on le fait et y aller, quoi. Et pour même compléter, et pour peut-être aller plus loin, je dirais même que c'est parce que vous n'avez pas de compétences en événementiel que vous allez faire un truc incroyable, pour une raison qui paraît évidente quand on l'a dit, mais qui n'est pas du tout intuitif. C'est qu'au final, lorsqu'on est expert dans quelque chose, généralement, on sait en fait toutes les étapes qu'il faut. On les connaît et on sait que ça va prendre du temps. Si on veut être vraiment carré sur tout et vraiment tout prévoir à l'avance, etc., la quantité de travail, on la quantifie très bien quand on est expert. On est parfaitement conscient de ça. Et ça peut être qu'un frein pour commencer ça. Alors que quand on est un peu naïf et qu'on se dit, bon, ça va, il suffit d'un coup de fil avec le club et basta. Et que tu te rends compte le lendemain, ah non, parce qu'il faut que je pense à l'étape, ah non, mais il y a un visuel à faire, ah non. Le fait que tu ne vois pas tout ça à l'avance fait que tu vas le torcher assez vite et que ça va aller, tu vois. Et du coup, tu vas fonctionner étape par étape. Et cette énergie, tu l'auras étape par étape. Ce qui est beaucoup plus facile que quand tu sais qu'il y a une énorme montagne à franchir, à gravir, tu vois, et que tu n'as juste pas envie de la monter. Quand je te monte un escalier, ça va, parce que tu vois juste la première marche, tu vois. Mais clairement, c'est ce que je dirais même, en fait. Tu sais, souvent, l'expertise est très paralysante. Ça, c'est quelque chose que je remarque de plus en plus. Bah après, ceux qui sont déjà dans le milieu de l'événementiel, ils peuvent éviter de commettre certaines erreurs et peut-être faire des choses plus rapidement que ceux qui n'ont jamais évolué dans ce milieu, je pense. C'est sûr, il y a ce côté-là. Mais voilà, il y a aussi le sur le moyen terme, je sais que ça va me prendre 6 mois. Moi, tu vois, si j'avais fait une formation événementielle, ma soirée, je l'aurais préparé 6 mois à l'avance. Là, je l'ai préparé 1 mois à l'avance. Ça s'est très bien passé, tu vois. Mais bon, tu vois, voilà. Dans tous les cas, clairement, c'est pas parce que vous n'êtes pas formé que vous pouvez pas vous lancer. Ça, je suis très d'accord avec vous tous. Mais après, ça dépend vraiment du type d'événement. Faire une petite soirée, voilà. Mais après, se lancer, si on fait pas de gestion de projet, si on fait pas de communication, si on connaît pas l'événementiel. Enfin, nous, à notre niveau, faire un zénith, c'est... Ah oui, vous pouvez le faire, mais vous risquez de... C'est quand même bien de s'entourer de gens qui sont compétents là-dedans, parce que sinon, ça peut vite... voilà. Il y a même déjà, en France, des organisateurs qui... Enfin, des fois, on voit que c'est un peu compliqué, quoi.
Ouais, ça peut être le cas, bien sûr. Prochaine petite affirmation. N'hésitez pas aussi sur le chat hein, à réagir, à nous dire si vous êtes d'accord ou pas d'accord. On sera ravis de voir si vous êtes d'accord. Ben voilà. Je préfère faire une soirée qualitative que plusieurs qui ne sont pas extrêmement ouf. Si vous voyez ce que je veux dire. Ça, pareil, après, ça, c'est un choix du, c'est au niveau du projet. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire? Est-ce qu'on veut organiser des petites soirées pour faire quelque chose, comme a commencé à faire la Pulse, pour générer du flux, on va dire, et convertir du public? Ou est-ce qu'on veut faire ça parce qu'on aime le show et on aime la puissance d'un grand événement? Je pense que selon les projets, Franck, je sais pas, toi, je pense que tu es plus dans de la petite soirée. Moi, du coup, l'opposé. Clairement. Le hardcase, nous, c'était vraiment par l'amour du show. C'est vraiment quand on est arrivé à Climax et que j'ai vu ce show Lumière qui m'a pris. C'est un truc de fou. Je pouvais pas faire une petite soirée. J'avais aucun intérêt de faire une petite soirée. Nous, on voulait vraiment faire quelque chose par rapport au show. Donc, une fois qu'on avait l'idée de faire ce show-là, faire un show avec 200 personnes, c'est quand même assez compliqué. Donc, on va commencer par. Nous, on préfère faire de la grosse soirée comme ça que de faire de la petite soirée plus souvent. Je distingue bien petite, grande soirée et soirée pas quali, soirée quali. Ouais, c'est vraiment deux choses très, 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 très différentes quand même, tu vois. Parce que c'est vrai, on fait des soirées à Paris avec généralement avec guest entre 5 et 700 personnes à Paris. Mais on met un point d'honneur incroyable à la déco, au mapping, au storytelling, l'histoire qu'on raconte pendant le show, etc. Mm-hmm. Et ça, clairement, ça a toujours été un point super important pour nous. Il suffit de voir nos chars à la Technoparade. Clairement, tout ce qu'on voulait pas, c'est d'avoir un char avec des échafaudages et des grosses bâches comme tout le monde fait, tu vois. C'est clairement des choses qu'on voulait éviter à tout prix. Et c'est pour ça qu'on a mis une déco qui est beaucoup plus colorée, qui a du VFX partout, etc. Mais si c'est pour répondre à ta question, oui, clairement, je pense qu'il faut juste se démarquer des autres, clairement, très clairement. Même si t'es petit ou grand, que tu sois même minuscule. Pour te dire, tu sais c'est quoi la première soirée Paul, c'était pas le club à Pigalle. C'était une rave party, qu'on avait une flash rave qu'on a fait, on était 15 devant la tour Eiffel, on a juste mis une enceinte portable, non, je te jure. Et on a filmé avec les téléphones ce petit moment incroyable. Ça a duré une minute. On a mis ça sur les réseaux. Ça, c'est juste quelque chose qui n'a pas été fait avant. Et pourtant, on n'était que 15. Et ça a fait le buzz, tu vois. Et les gens ont aimé ça. Ils se sont reconnus là-dedans. On fait, putain, c'est Defcon. Il y a la Tour Eiffel. Qu'est-ce qui se passe, tu vois. Et il est là le point, tu vois. Je pense pas que ce soit une question de taille, mais plus une question de qualité. Et une question de juste se faire remarquer et faire des choses qui fait beaucoup plus rêver que ce qu'on a l'habitude de voir. Ouais, moi je partage complètement sur le premier Solar, c'est pareil, enfin le premier en extérieur, puisqu'avant on avait fait quelques soirées en intérieur, mais sur le premier festival en tant que tel, Solar Fantasy en extérieur, où on avait autour de 500 personnes, donc ça restait quand même de taille assez petite, mais on avait mis un point d'orgue à créer une déco avec beaucoup de palettes démontées globalement et de peintures. On avait un nombre très limité de lumières, mais on en était content, je crois qu'on avait 16 parts. Et 8 snipers, 8 scanners, donc même pas de beam, même pas de l'air beam. Et pour autant, je pense que tous ceux qui étaient là ont vécu un moment magique, quoi. Ils ont dit, ah ouais, c'est une soirée comme en Hollande, alors qu'il y avait trois fois rien comparé à ce qu'on a maintenant. Et pour autant, c'était une première étape, c'est-à-dire que c'était vraiment de créer quelque chose dont on était fier. Je pense que c'est ça qui est important, c'est de créer quelque chose et qu'on en soit content. Après, chacun met la barre à son niveau, hein. C'est sûr que. Ben, comparé à ce que peut faire Guillaume, mais son niveau, il est là, il y a le Climax qui est là, et le target est ciblé. Si on s'adresse à ceux qui veulent démarrer, ben, prenez à cœur de faire quelque chose d'original et de vous soyez fiers, mettre un peu de déco, faire de la bonne com, et c'est ça qui est important. Essayez de viser tout le temps la qualité, le public le ressentira quand même. Même si, comparé aux autres, ça peut être rien du tout, mais quand même, les gens seront contents de voir qu'il y a un petit effort qui a été fait. Ouais. Et ça aussi, c'est assez communicatif. Ouais, c'est vrai. On a une petite question. Je ne sais pas si vous pourrez y répondre. C'est Empira qui nous demande quel budget prévoir, par exemple, pour un petit event outdoor de 400-500 personnes max.
Je pense qu'Alexis, c'est toi qui es le plus à même à répondre à cette question. Oui, pourquoi pas. Bah, après, ça dépend aussi de beaucoup de choses, de ce qu'on veut y mettre. Nous, notre particularité à Solar Fantasy, c'est que bah, sur le premier, c'est toujours le cas, on fait un maximum de choses nous-mêmes. C'est-à-dire que toute la déco, c'est fait nous-mêmes. La light aussi, on la gère nous-mêmes. Le son aussi, la pyro aussi. Donc forcément, c'est quelque chose qui fait réduire le budget. Après, question budget, je sais pas. Enfin, moi, je raisonne un petit peu dans l'autre sens. C'est... Si tu veux avoir 500 personnes, à combien tu mets le prix de la place? Du coup, après, tu fais ta multiplication et tu as un premier prix fixe et tu sais dans quel espace tu peux jouer. Sachant qu'un des points très importants en outdoor, c'est de clore l'espace et d'avoir une bonne sécu. Je pense que c'est un point très important. Enfin, dans tous les cas, la sécu, c'est important, mais encore plus en outdoor parce que vraiment contrôler une zone, ça paraît pas comme ça quand on a la première idée, mais c'est vraiment très très compliqué, quoi. Mm-hmm. Il faut des kilomètres de barrières et des vigiles un petit peu partout pour bien délimiter le truc. Enfin, ah, si on parle d'un event de 500 personnes, il faut quand même que ce soit sérieux. On peut pas se permettre de faire quelque chose comme ça en mode rêve, quoi. Voilà, ouais, je vais plutôt dans l'autre sens. C'est-à-dire que tu prends 500 personnes, tu multiplies par le prix de la place qui te semble juste par rapport à là où tu es. Mm-hmm. Et à partir de là, tu as l'espace dans lequel tu peux jouer. Et à partir de combien à peu près faut de combien de festivaliers, vous savez, il faut voilà une sécurité, un poste de secours, etc. Une sécurité, je pense que c'est à partir de zéro. Ouais. À partir du moment où tu organises quelque chose, il faut un minimum de sécurité et d'organisation qui détermine quelles sont les règles du jeu, quoi. Après, y a certaines limites qui sont déterminées par les préfectures, hein, globalement. Et ça, du coup, bah, il faut déclaration de préfecture et beaucoup de choses, poste de sécurité, comment ça s'appelle c'est le chargé de sécu qui va décider ça en fonction du lieu aussi. Voilà. Si selon le nom d'issue de secours que vous avez, donc festivalier, les horaires, si c'est dans une zone à risque ou pas, et si le lieu est plus facile d'accès. Enfin, je sais qu'en extérieur, dans le sud, avec les incendies, c'est compliqué. Il faut qu'il y ait de l'eau à côté, il faut qu'il y ait de l'autoroute à côté pour les camions pompiers, s'il y a des évacuations. Mm-hmm. Donc, tout ça va être réfléchi et mis en place par le chargé de sécu, qui ensuite fera le dossier, qui présentera en préfecture, et la préfecture accepte le plan ou pas, ou dit voilà, non, on n'accepte pas, il faut que vous rajoutiez ci, ça, à tel endroit, et voilà. D'accord. Et par exemple, Guillaume, en termes de sécu, hard case, comment ça se passe? Du coup, il y a. Voilà, vous devez avoir combien, par exemple, de postes de secours ou de médecins, un truc comme ça? Bah alors, ça, c'est pas les postes de secours sont pas obligatoires pour moins de 5000 personnes. Nous, on le fait parce qu'on connaît les risques qu'il peut y avoir dans ce genre d'événement. Donc, on met des médecins. Cette année, on avait un médecin et quatre infirmiers avec une ambulance sur le parking. Mm-hmm. Voilà, donc ça, c'est pas obligatoire, mais on le met. Et je pense que l'année prochaine, on doublera les effectifs. Sur ça, et limite, je pense qu'on va diminuer le budget sécurité pure et le passer plutôt dans la prévention et la sécurité du public au niveau des pompiers et des médecins. Voilà. Parce qu'en vrai, chez nous, il n'y a pas de bagarre, il n'y a pas de. Bon, voilà, il faut des agents de sécurité pour les entrées et sorties, la palpation, un à chaque issue de secours, il faut des SIAP aussi pour les issues de secours et les incendies, etc. Mais en vrai, c'est pas une soirée hip-hop, c'est pas un concert. Enfin, donc, niveau sécurité, je n'ai jamais vu une bagarre dans un de nos événements, dans les événements des confrères non plus. Donc, c'est pas ce qui va vous coûter le plus cher avec ce type de soirée, mais il y aura un minimum quand même à débourser pour pouvoir produire l'événement. Et voilà, nous, vraiment, dans ce style de musique, en plus, on a eu un incident cette année au Arcaze. Mmh. Donc voilà, je pense qu'on va renforcer la sécurité du public là-dessus, c'est ce côté-là, côté médical, on va dire. Ouais, voilà. Sans pour autant négliger la sécurité en général. Ok, d'accord. Après, avoir beaucoup d'une bonne sécu, c'est aussi bien montrer que tout est bien organisé et du coup, les gens vont prendre des risques avec notre communauté hard. En fait, voilà, la musique est hard, donc on se défonce sur la musique. C'est-à-dire que voilà. Et il n'y a pas besoin de se prendre la tête entre les gens. La communauté est plutôt saine de ce point de vue-là. Après, effectivement, prévoir un peu plus d'un point de vue sécurité sur les gens, c'est très important. Surtout dans notre cas, sur le cas d'un festival qui dure plusieurs jours, avec camping, voilà, il peut bien y avoir des gens qui peuvent faire des malaises ou des choses comme ça. Nous, dans notre cas, on a plusieurs pompiers qui font partie de l'association.
Donc du coup, on mise là-dessus et on avait pris un sac premier secours globalement pour avoir un poste de secours qui était un endroit et voilà, les gens pouvaient s'y présenter en cas de besoin. D'accord. Okay. Être plus proche pour intervenir. Et du coup, toi, Franck, en termes de sécu, du coup, à chaque fois, c'est quand c'est organisé dans les boîtes, c'est la sécurité de la boîte, c'est-à-dire que vous, vous n'avez pas de responsabilité, entre guillemets, là-dessus. Alors, quand c'est un club, voilà, c'est ça. Et quand c'est une salle que je loue, comme c'est le cas à Paris avec le Studio 7, c'est moi qui gère toute la sécu. Donc, c'est un service de sécurité auquel je fais appel. Généralement, il y a un agent de sécu pour 70 personnes. Et plus un pompier qui circule aussi dans la salle. Mmh. Et voilà. Mais avec les clubs, ouais, généralement, c'est leur service de sécu qui ont déjà l'habitude et tout ça. Et c'est même beaucoup mieux, tu vois, parce qu'ils se connaissent. Même ils connaissent aussi la clientèle, généralement. Donc ça aide beaucoup de connaître la clientèle. Mais comme disait Guillaume, c'est vrai qu'il y a très peu de problèmes. En général, tu sais, il n'y a pas vraiment de bagarre dans notre communauté. Et ça, c'est des choses même qu'on a en termes de retour. Gérant de club, on le reçoit tout le temps, hein, ces phrases-là. Mais c'est incroyable, votre communauté, elle est hyper disciplinée. Ils font la queue à la fin pour récupérer leurs affaires. J'ai jamais vu ça de ma vie. Tu vois, et ça, là, tu te rends compte que ça, c'est une vraie chance pour nous, quand même. C'est une vraie, vraie chance. Donc, clairement, ouais, c'est vrai qu'on est plutôt bien servi sur ce point. On n'est pas, on fait pas des soirées où tout le monde se prend la tête, quoi. Ou même des problèmes, tu vois, on peut penser qu'il peut y avoir des problèmes d'attouchement sexuel et tout ça, tu vois, mais même pas ça. Donc les gens sont vraiment là pour la musique. Ouais, et c'est ça, ce qu'on voit de plus en plus, quoi. C'est vraiment... Puis ça se ressent même dans le public, on voit qu'on est tous là pour la même chose, se prendre des kicks en pleine face et c'est tout, quoi. Alors, prochaine affirmation, un MC c'est obligatoire. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord? Moi, oui. Non, pas d'accord. Alors, Alexis, d'accord. Franck, pas d'accord. Guillaume? Non, pas d'accord. On n'a pas besoin forcément d'AMC. Mais c'est pareil, c'est comme depuis le début, ça dépend de tout type d'événement. Hein. Pour une soirée club, si vous n'avez pas d'AMC, il ne faut pas vous dire « je ne vais pas faire la soirée, je n'ai pas d'AMC » ou « zut, il faut que je dépense tant d'euros dans un AMC ». Alors qu'en fait, je pourrais les mettre ailleurs. Non, enfin, de mon point de vue, je ne trouve pas ça indispensable. Par contre, s'il est là et qu'il est bon, c'est bien mieux et ça crée une meilleure ambiance. Voilà, mais je pense qu'il ne faut pas s'arrêter là-dessus. Après, pour la petite anecdote, le Arkezin a failli ne pas avoir de MC du tout. Hein. C'est Megiddo qui, je ne sais pas, je ne me rappelle plus, je crois que c'était une... Il n'y a pas longtemps avant l'ouverture, il nous dit ouais, les gars, vous n'avez pas de MC. On s'est dit ouais. Et du coup, grâce à Megiddo, on a pris MC, on a pris Télème. Et voilà, le Arkezin, à la base, on était parti avec un line-up sans MC. Quoi. D'accord. D'accord, ok. Et toi, du coup, Alexis, tu disais que tu étais d'accord ou pas d'accord? Ouais. je vais argumenter quand même. Alors, je suis complètement d'accord avec ce qui a été dit par Guillaume. Ok. Donc il va nous rejoindre, c'est bon? Tout. Il est là. Ouais, Alex, on t'entend. Ouais, excusez-moi, j'ai été coupé. Désolé. C'est vas-y, bon, je t'en prie. C'est bon pour le live? Oui, c'est bon, on t'entend. Ok, good. Désolé. Donc ce que je voulais dire par rapport au MC, c'est que, donc effectivement, on peut tout à fait créer sa première soirée sans MC, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est juste que nous, au Solar Fantasy, c'était vraiment un de nos premiers trucs qu'on a fait. Puisqu'en fait, le MC fait partie de la team. Hein. Je vais faire dédicace à mon bro Gab, qui depuis le début fait le MC et le fait plutôt très bien. Et du coup, c'est ce qui a vraiment permis de donner une énergie. C'est-à-dire que pour convaincre un peu les gens au Warstyle, il était toujours là sur la scène devant à faire le boulot de MC. Et on a eu un input énorme grâce à ça. C'est-à-dire que ça aide vraiment les gens à aller danser, ceux qui ne sont pas forcément fans de Warstyle au départ. Donc c'est pour ça que j'ai répondu oui, parce que dans notre cas, surtout sur les premiers events où on arrivait tout nouveau avec le hardstyle, plein de gens connaissaient pas, ils venaient, ils écoutaient, bon voilà. Et là, il y avait un mec qui était fou sur la scène, qui n'arrêtait pas de...
Bien sûr, ça peut être un bon hack pour. Apparemment, il n'y a plus pour... de son sur le. Qui dit qu'il nous entend. Plus personne nous entend. Plus de son aussi. Ah, c'est bon, apparemment, ça. C'est bon, vous nous entendez ou pas? Apparemment, c'est bon, je pense. Oui. Yes. Allez, c'est okay. Good. On a un technicien derrière qui. Merci, merci Gaspard, c'est incroyable. Yes, merci. C'est bon? Ouais, j'ai expliqué que c'était une bonne idée. Et puis, mais le problème, c'est qu'on ne savait pas encore vraiment quand est-ce qu'on aura le droit, nous, tu vois, en tant qu'organisateur français. Déjà, quand est-ce qu'on pourrait rouvrir les clubs, tout simplement. Et ça, c'est une incertitude. Donc, par contre, pour rebondir sur la question, je pense que c'est une excellente opportunité pour un peu se réinventer et trouver des choses qui marchent aussi, mais autrement, tu vois, online, etc. Ouais. Et tu vois, chez Apple, on essaye de vraiment se concentrer sur un nouveau concept de divertissement online qui pourrait presque parfois remplacer l'événementiel physique. Et on essaye vraiment de penser ça pour déjà, un, parce qu'on ne sait pas quand est-ce que la vie normale va reprendre, quoi. Totalement. Et... pour le mouvement et voilà quoi, donc c'est clairement là on est dans une dynamique de recherche sur et d'itération, tu vois, donc on essaye des choses en ligne via Twitch notamment parce que c'est une plateforme assez incroyable pour ça, pour réinventer tout ça, tu vois, et ça peut être une belle opportunité surtout pour ceux qui ont peur de s'engager dans l'événementiel physique mais qui sont plus à l'aise sur internet. Ça peut être super intéressant et je serais pas surpris qu'il y en ait un qui explose à court terme sur ce plan-là, tu vois. Ouais. Parce que du coup, ça a paralysé pas mal d'orgas, hein, ce Covid. Pour l'équipe On Case, vous aviez la soirée prévue The Lost Jungle le 4 avril qui a dû être annulée. Pour toi, Alexis, ouais. C'est la soirée du Solar. Pour Apples, par exemple, c'est la Spark édition numéro 2 qui a dû être annulée. Bon, j'imagine que vous l'avez tous un peu mal vécu, hein, cette expérience de Covid. Mais du coup, est-ce que toi, tu disais, Franck, que c'est pas parce qu'il y a le Covid, du coup, qu'on est obligé de tout arrêter et qu'on peut justement trouver des solutions. Est-ce que vous êtes d'accord, Alexis et Guillaume? C'est pas facile. Oui, on peut trouver des solutions. Alors effectivement, la solution en ligne en est une. C'est une très bonne chose. Je partage le fait que c'est cool de continuer pendant le Covid, mais... Voilà, on va pas se voler la face, hein. Ce qu'on veut, c'est des festivals, on a envie d'y aller, on attend que ça, mais bon, voilà, il y a des raisons qui font que c'est interdit et que ça a du sens. C'est pas une situation facile. Ce qui est certain, c'est que ça va vraiment rebattre un peu les cartes du monde de l'événementiel, et je parle pas de nous à notre petit niveau, on va dire, mais vraiment, les gros orgas, ils vont vraiment en prendre mal, quoi. Donc, on sait pas bien ce qui va se passer, même les nightclubs, enfin, les nightclubs sont vraiment dans une merde pas possible, quoi. C'est clair. Donc, ça va rebattre un petit peu tout dans tout ça et on ne sait pas trop ce qui va en sortir, hein, ça c'est sûr. Donc, comme tu disais, Franck, c'est certain qu'il y a des opportunités. Il y a des trucs qui vont en sortir. Quoi, je ne sais pas. Mais bon, disons qu'il faut tenter, effectivement. Et toi, Guillaume, du coup, tu en penses quoi, du coup? Je sais pas trop, enfin nous ça nous concerne pas parce qu'on est l'hiver déjà, donc au final qu'on ait eu des annulations, enfin qu'il y a eu des annulations, ça nous a pas tellement touché. Après moi professionnellement, faut pas se mentir, je suis en vacances quoi. Je veux dire, ça fait 11 ans que je travaille 250-300 heures par jour, par mois, pendant le mois de mai, juin, et là, le fait qu'on ait plus de travail, ça m'a permis d'avoir du temps pour moi. Et justement de réfléchir, de travailler sur d'autres choses. Mais après, travailler sur des projets où on n'a pas de date, où on n'a pas de lieu, où on ne sait pas tout, c'est un peu travailler dans le vent et perdre du temps. Et le temps, ça reste quand même assez précieux. Qu'on a plusieurs, enfin voilà, le festival, on le fait en plus de tout ce qu'on fait à côté. Donc, perdre du temps à essayer de faire quelque chose qu'on n'est pas sûr de pouvoir faire, nous, non. Voilà. Et après, faire des lives, des trucs comme ça, on en a fait un petit peu, on a repartagé d'autres lives, mais c'était pas... Nous, étant dans l'organisation de festival, on n'avait rien à proposer, alors que Arpulse, vu qu'ils ont des artistes... Je sais pas quoi... concernant le Covid, moi, je suis pas le mieux placé pour en parler, je pense, que ça me touche pas tellement.
Mais voilà. D'accord. Bah, si on parle un petit peu, donc, là, ouais, le Covid, on est vraiment dans une situation incertaine. Ce dont on peut un petit peu parler, c'est le post-Covid. Et on sait que ça va aussi impacter, probablement. Hein, ça, on sait pas trop, on va sortir progressivement. Et puis après, ce sera quoi le monde d'après? Enfin, je pense qu'il y aura des impacts sur l'événement, hein, enfin, les gros, gros rassemblements. Au-delà de, je ne sais pas quelle sera la limite, mais bah, à une époque, il y avait des limites de 500 personnes, vous savez, qui avaient été mis en place. Donc probablement que ces gros événements de plus de XXX personnes, il y aura des impacts pour eux, quoi. Et donc du coup, ça risque de nous impacter un peu aussi. On ne sait pas bien, hein, peut-être avec une sorte de distanciation, je ne sais quoi, même si ça paraît assez incroyable à mettre en place. Mais, ouais, ça paraît un peu fou quand même. Des contrôles, hein, dans les aéroports, tout simplement. Hein, ça aussi, ça va nous impacter. Ça limite les échanges entre pays. Donc, quid des soirées, même de l'hiver prochain, où on sera en post-Covid? Est-ce que des artistes pourront bouger? Est-ce que on a, même moi, pour ma part, est-ce que je pourrais bouger? Ça pose beaucoup c'est de questions clair. Sur l'organisation. Ça. C'est clair. Alors, je vais vous énoncer du coup la prochaine affirmation. Êtes-vous d'accord ou pas d'accord? Entre orgas, il faut s'entraider. Oui, complètement. Ouais. Alors, moi, je suis pas d'accord. Qui n'est pas que d'accord? Des concurrents. C'est que des concurrents. Faut rien dire à personne. Attention, parce qu'après, non, il faut s'entraider. Et puis, en plus, chaque organisation a des atouts à certains endroits. Et le fait de se réunir, ça permet de faire des trucs beaucoup plus sympas. Et puis, même le public le ressent. Le public ressent qu'il y a une bonne entente entre certaines organisations. Et ça crée une communauté beaucoup plus grande. Voilà. Je suis assez d'accord. Et toi, Alexis, t'en penses quoi ? Tout à fait, complètement. Hein. Enfin, je pense que si on peut collaborer au maximum, enfin, dans notre petit monde du hardstyle, parce qu'on est quand même une petite communauté, enfin, par rapport à d'autres grands mouvements, donc je pense que c'est cool. Hein. Si on peut échanger au maximum, on a plein de choses à apprendre, de petits tips à échanger. C'est clair. Même après, à l'échelle locale, hein, si on peut l'ajouter un peu, hein. Je vais prendre l'exemple du Solar Fantasy. Nous, on collabore pas mal avec... d'autres gens qui nous filent des petits coups de main, des choses comme ça, des associations locales qui ne sont pas du tout dans l'organe gros événement, mais qui vont nous prêter juste des guitounes, des trucs comme ça. C'est toujours bien la collaboration, on en sort toujours gagnant, de toute manière. Donc, c'est clair. Et toi, Franck, t'étais également d'accord, hein ? Ouais, mais j'irais même plus loin, en fait, ce qu'il faut qu'on tisse comme en relation, presque en priorité, tu vois, c'est des relations avec des associations qui ne font pas ce genre de musique, mais qui s'en rapproche un peu. Je pense surtout à l'électro et au festival plutôt mainstream. Nous, on travaille beaucoup sur ça chez Apples. On parie en fait sur le fait que c'est en injectant du hardstyle dans les festivals mainstream qu'on arrivera à rendre populaire le style, ou en tout cas plus accepté par les autorités. Et c'est en ça qu'on a créé Harmony, hein, qui est l'agence de booking de nos artistes. C'est pour les pousser dans ces festivals-là, hein, très clairement. De par nos partenariats qu'on a avec nos événements, on a c'est un petit gage de qualité pour nous à leurs yeux, de leur dire bah attends, tu sais, cet artiste là il peut vraiment s'adapter aussi à ton public, il peut ramener vraiment quelque chose de nouveau dans ton festival, et c'est ces liens là peut-être qui pourraient peut-être plus encore faire changer les choses, tu vois. Mais avant tout, oui, entre nous, faut vraiment pas se tirer sur les pas, déjà qu'on n'est pas beaucoup. C'est n'importe quoi, c'est idiot, et puis de toute façon celui qui fait ça il dure jamais très longtemps dans le milieu, hein, tu sais. Je pense que c'est plus se tirer une balle dans le pied qu'autre chose, effectivement. Je passe à la prochaine, du coup. On va parler un peu décor et son. Si je dois choisir, je préfère investir dans le système son que dans le décor. C'est un peu Team Climax versus Team Hard Bass. Qu'est-ce que vous en pensez? D'accord ou pas d'accord? Moi, le décor, en premier. Toi, décor, Alexis? Alors, moi, je vais dire les deux. Ouais, mais points. Si tu dois choisir entre les deux, tu peux pas investir autant. Bah, tu fais 50-50. Enfin, alors c'est pas tout à fait de l'investissement. Si je prends l'exemple Solar Fantasy, le décor il nous coûte très très peu d'euros, on va dire. Par contre, il nous coûte 6 mois de préparation, et puis du démontage de palettes et de la peinture et tout ça. Donc, non, il est vraiment important de s'investir financièrement et personnellement dans les deux, et ouais, les deux sont importants, mais. Faut surtout pas, quand même, avec un petit point sur le décor, c'est-à-dire que si tu disais c'est Climax vs Hard Bass,
Ok, Art Base, c'est pas un décor de ouf comparé à Climax. Mais attends, Art Base, c'est un décor de ouf quand même. Oui, c'est quand même un décor de ouf, tu vois. Mais attends, comparé à des majorités des soirées. Bien sûr. Ou comparé à d'autres styles musicaux aussi. Si tu compares le show de Snake à la Défense Arena où tout le monde était en adulation devant ce truc, c'est ce qui était ouf pour la France. Mais les gars, regardez un Climax, c'est quand même. Dans le milieu de l'art musique est très très déco quand même, donc faut vraiment garder ça, c'est cool. Toi Guillaume? Moi c'est son, lumière et enfin si je dois classer, son, mm-hmm. lumière, déco, voilà. Et enfin pour moi, en plus avec mon travail, la lumière fait partie de la déco et le décor, enfin il faut travailler les deux en même temps. Il faut vraiment travailler la déco et la lumière pour que le rendu soit top, parce que si on a une belle déco mais qu'elle n'est pas éclairée, bah ouais, à part que ce soit en plein jour, sinon on la voit plus. Une belle lumière sans décor, bah, on voit des lumières qui bougent dans tous les sens mais qui ne donnent pas vie à quelque chose, ça ne donne pas d'intérêt. Et voilà, après le son, les gens ils viennent quand même pour voir des artistes pour prendre une claque au niveau du son. Si on met un décor mal réglé, ça devient vite désagréable. Enfin, on vient quand même pour vivre quelque chose par rapport au son. Et bon, voilà, le mieux, c'est d'avoir les trois en même temps, bien synchronisés. Et là, c'est éclat. Là, c'est le feu. Et toi, Franck, t'en penses quoi? Le show, avant tout, c'est un parti pris chez nous. Et en fait, ça rentre dans la mission qui est de la popularisation de style et de convertir des gens qui ne connaissent pas ce style-là par le show. Dans le sens où ces gens-là, généralement, comme ce ne sont pas des puristes, vu que c'est des gens qui sont, voilà, qui connaissent pas ça, tu vois, ils seront peut-être moins sensibles sur la qualité sonore, mais beaucoup plus sur l'aspect visuel et expérience qu'on offre, tu vois. Et c'est dans cette lignée-là que vraiment on met l'accent sur le show très, très clairement. Alors, ça ne veut pas dire qu'on s'en fout du son, clairement. On a du l'acoustique, c'est cool, tout fonctionne bien, on règle ça très bien. Mm-hmm. Mais je veux dire que c'est vrai, on passe beaucoup plus de temps dans les détails artistiques plutôt que dans les détails techniques sonores. Je pense beaucoup au mapping, tu vois, par exemple, ça c'est quelque chose que on a Alexis par exemple chez nous avec Vincent qui s'occupe super bien de ça, et c'est un travail titanesque et on met beaucoup d'énergie là-dedans pour que ça soit cohérent avec le show, pour que ça soit cohérent avec la salle. Et en gros voilà, c'est du mapping, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir dans les soirées, et on essaie de plus en plus de le rendre englobant pour vivre une expérience unique et que la personne quand elle sort de là elle dise ok, j'étais dans un autre monde visuellement, tu vois. C'est l'effet qu'on essaie vraiment, vraiment de provoquer chez les gens. Donc, ouais, pour te répondre à ta question, c'est le show avant tout. Et puis, on a Stunter aussi qui réagit sur le chat et qui nous dit effectivement, ça fait aussi qu'on s'en souvient mieux et que ça active, ouais, notre mémoire visuelle et sensorielle. Donc, ouais, c'est vrai, ça permet de mieux se rappeler et que ça nous impacte plus, je pense, effectivement. Et du coup, donc, la line-up pour vous, dans le top des choses les plus importantes, elle se situerait où, du coup? Ou le line-up, je sais qu'il y en a qui disent le. Pour nous, à Solar Fantasy, j'ai déjà évoqué un petit peu avant, on ne sait pas du tout là-dessus, enfin, sur un line-up connu, on va dire ça comme ça, parce qu'on on a beaucoup d'artistes en interne, hein, donc qui font le travail, et qui passent beaucoup de temps pour préparer un set de qualité pour le festival. C'est juste que voilà, c'est pas des artistes connus, c'est pas des grands noms, parce que c'était notre pari de partir là-dessus initialement. Avec les années, avec l'expérience et les finances, évidemment, on va pouvoir se permettre peut-être d'avoir des line-up un peu plus développés, mais pour autant, ça restera avant tout une grosse, grosse priorité sur le son, la déco, le show, la light, tout est vraiment en dernier. Même la sécu et le bien-être du festival, on va appeler ça comme ça, avoir des bons sanitaires, c'est primordial. Là, bon, malheureusement, l'édition est annulée, mais si on doit parler chiffres un petit peu, avec notre budget sanitaire, on aurait pu se payer un sacré line-up, mais on l'a pas fait, parce qu'on préfère avoir un bon festival où ça marche bien. Ce qu'on veut, c'est pas juste faire venir les gens, le line-up, c'est ce qui fait venir les gens. Oui, un bon festival, c'est ce qui va les faire revenir. Et ça, c'est encore plus important. Enfin, si on veut durer dans le temps, quoi. C'est clair. Donc, il faut prendre soin de ces festivaliers, je dirais ça comme ça. Et quand on peut se permettre d'avoir une bonne line-up, bah, évidemment, il faut le faire. Mais il ne faut pas tout baser là-dessus, quand même. Ouais, vous en pensez quoi, du coup, Guillaume et Franck, là-dessus? La place de la line-up, du coup, dans une soirée, est-ce que... Pour nous, enfin, vas-y Franck, vas-y. Non, vas-y, je t'en prie, vas-y Guillaume.
Nous, clairement, enfin, moi plutôt, au sein de l'asso, le line-up, c'était pas important. Les premières fois où j'allais à Climax et tout, je connaissais même pas les DJ, j'allais, j'en prenais plein la vue, plein les oreilles. Voilà, pour moi, c'était pas important. En plus, tous les artistes sont très bons, il y en a plusieurs qui passent des sons d'autres et tout. Donc, je veux dire, un set, que ce soit un set de Bifront, Future Noise, ou Randy, voilà, on va retrouver des sons. Voilà, c'est sûr qu'il y a certains qui vont préférer Randy à Bifront ou l'inverse, mais je veux dire, dans un set de Randy, on va retrouver des sons d'autres artistes qui se ressemblent. Donc voilà, pour nous, le choix du line-up pour passer une bonne soirée, c'est pas important, mais apparemment, c'est ce que le public veut. Le public est là uniquement pour le line-up. Et on l'a remarqué parce que nous, on a pris une grosse claque sur le Hard Case 3. On a essayé de faire un line-up avec un peu moins de noms, mais en mettant du français. On s'est pris une claque au niveau de la billetterie, clairement. Hein, et beaucoup de gens nous ont dit que le line-up ne nous a pas intéressés, alors que après le travail qu'on avait effectué sur le Hard Case 2, ne pas revenir parce que le line-up ne plaît pas, nous, ça nous a énormément déçus parce qu'on s'est dit, en fait, on fait ce travail, on s'éclate à faire ça. Mm-hmm. Au final, si le public, ils ne se rend même pas compte qu'il y a énormément de boulot derrière pour avoir un événement qui est quelque chose et qui vienne juste en jugeant un line-up, ça nous a mis une bonne claque quand même, voilà. Donc oui, le line-up est très important, malheureusement, parce que c'est ça qui fait venir les gens. Et même si les gens sont venus et qu'ils se sont éclatés, comme il s'est passé au Hard Case 2 ou au What the Case, eh ben, c'est pas pour autant qu'ils vont revenir. Même si le festival, on n'a eu aucun défaut, tout allait bien. S'il n'y a pas un DJ qui voulait voir, il n'y avait pas assez de tempo, il n'y avait pas assez d'euros, machin, donc on n'est pas venu, voilà. Enfin, nous, de notre point de vue, en tant que festival de 9h, hein, après, voilà. Et toi, Franck, du coup ? En fait, si tu veux, la line-up, c'est ce qui, c'est ce qui fait venir les gens. Il faut bien voir deux choses quand tu fais une soirée. Il y a des choses que tu dois faire pour faire venir les gens, et après, il y a des choses que tu dois faire pour les faire revenir. La line-up, ça fait partie des choses pour les faire venir. Pour les faire revenir, c'est tout ce qui est chaud, son, c'est un peu ce dont on a parlé tout à l'heure, sécurité, etc. Ça, c'est ce qui fait que la personne va revenir la prochaine fois. Mais c'est ce qui, enfin, en tout cas, ça joue vachement, tu vois. Pour les nouveaux qui te connaissent pas et qui sait pas que t'as un bon show, qui sait pas que t'as un bon son, la seule chose qui l'attire vraiment, vraiment, c'est ton line-up et ton visuel. Quand je parle de visuel, c'est toute la communication autour de ton événement sur les réseaux sociaux, etc. Donc, un visuel très fort, une identité très forte qui donne envie. Un truc un peu voilà, pro, tu vois, on sent que c'est fait à l'arrache. Ou un truc un peu fun aussi, ça fonctionne très, très bien. Je pense à nos amis High Contrast. Mais la line-up fait quand même partie assez intégrante sur ces choses à faire pour faire venir les nouveaux. Et clairement, ce n'est pas négligé. Maintenant, la vraie difficulté pour avoir un bon line-up, c'est de faire la balance entre un artiste qui coûte pas très cher, ou en tout cas qui est sous-coté en termes d'argent, mais qui fait venir beaucoup de monde en ce moment. Et c'est toute une question de timing. Et ça, c'est ultra difficile, tu vois. En gros, c'est l'artiste qui est en train d'avoir une hype, tu vois, à court terme, qu'il faut essayer de repérer cette hype en disant, lui, dans deux mois, il va être à tel prix, on a intérêt à le prendre tout de suite, tu vois, parce qu'on sent qu'il y a une hype, parce qu'il a sorti un album, ou parce qu'il a fait un anthem. En tout cas, il est dans les starting blocks, le gars. Et c'est cette intuition un peu qu'il faut avoir, qui n'est pas facile à avoir, et que je pense qu'on arrive à avoir en organisant des soirées et en allant à des festivals hollandais aussi. Et tout se fait là, en fait. C'est vraiment pour avoir l'artiste pas cher, mais qui ramène du monde. C'est un peu tout organisateur veut ça, tu vois. Et pour ça, il faut avoir des gens qui sont complètement dans le noyau, quoi. Mais c'est clairement pas négligé. C'est pas parce que tu dis, ah, j'ai vu un tel, il a bien joué, je vais le prendre, que tu vas faire venir des gens. Clairement pas, mais clairement pas. Donc, c'est quelque chose qu'il faut vraiment sentir. Ça aide beaucoup. Hein. Ça aide énormément. Ouais. Et c'est vrai que tu as raison, ouais. Alors, on va passer à un autre thème et une autre affirmation. Alors, les stupéfiants, c'est un ennemi invisible et imprévisible. D'accord, pas d'accord. Oui, un peu, hein, je pense. Je pense que tout le monde sait que dans les festivals, mais pas forcément que de hardstyle et pas forcément les gros festivals, les soirées, voilà. Il y a forcément de la drogue, même dans n'importe quel festival de toute manière, que ce soit électro, techno, même des festivals afro, etc. Voilà, comment vous vous prenez, vous, en tant qu'organisateur, pour essayer de contrôler ou de
limiter les dégâts, quoi. Comment on peut faire ça? Alors, bon, alors, je me permets de commencer juste parce que c'est vrai que c'est un combat un peu qu'on mène et qui est très, très implicite, hein, parce que nous, on le fait par la communication sans nommer un peu ça, parce qu'on considère que c'est justement en n'en parlant pas que on n'en fait pas partie. Tu vois, en gros, le fait de dire il n'y a pas de drogue chez nous, je pense que c'est, du coup, implicitement, on dit à la personne qu'il y en a. Et du coup, on est vraiment dans une position où ça ne nous concerne même pas. Donc, on fait que des visuels, on a l'impression qu'on va à Disneyland, qu'on voit le visuel. Et voilà, on arrive là-dedans. C'est-à-dire que, par exemple, quand je présente le hardstyle à un gérant de club ou à un média, je ne dis pas, écoutez, c'est un petit peu ce qu'on voit dans les rave parties. Tu vois, on dit, en fait, on ne parle même pas de ça. Moi, ce que je dis quand j'essaie de décrire le hardstyle, c'est, c'est une musique qu'on écoute à Tomorrowland et qui est en train d'exploser dans les festivals qu'on voit à la télé à Tomorrowland avec les feux d'artifice. C'est ce que je dis, je ne parle même pas du mot hard, je ne parle pas du, tu vois. Et là, ça les met en confiance parce qu'ils connaissent déjà que du coup, le public il sera plutôt discipliné. Ils ont de l'argent, ça joue hein, pour un gérant de club parce qu'il se dit ok, c'est pas un gars, il va pas me ramener avec des chiens, tu vois, c'est chaud quoi. Et en fait, balayer ça avec ce genre de discours, ça nous a beaucoup aidé, nous en tout cas au début, pour avoir des lieux. Mais voilà, après, quand tu dis que c'est imprévisible, je pense pas parce qu'on sait à peu près tous que ça peut circuler dans toutes les soirées comme ça. Maintenant, c'est à nous d'agir sur ça. Nous, c'est tolérance zéro hein, sur ça, c'est fait pas du tout partie de notre ADN. Donc, dès qu'on voit quelque chose comme ça, le gars il est viré, mais. Et instantanément de la soirée, tu vois. Maintenant, voilà, je pense que je sais pas si vous avez expérimenté ça, Alex et Guillaume, vous pourrez peut-être en parler un peu plus, mais voilà notre position, nous, clairement. Ouais. Et du coup, Alexis, qu'est-ce que prévention, sécurité, tout ce qui a été dit est complètement vrai, hein, c'est-à-dire qu'on sait que c'est qui en a un petit peu, et donc il faut être ultra vigilant et deux choses, quoi. La répression d'un côté, même si on sait que de toute manière, on peut pas, ça peut quand même passer, même si on a un bon service. Donc, du coup, faut au moins prévoir la prise en charge. Ça, c'est très important. Avoir une communauté, enfin, que au moins tous les bénévoles, ils soient sensibilisés. Et, du coup, je m'adresse aussi à tous ceux qui nous regardent. Hein. C'est-à-dire que, prenez soin de vos copains, d'une part, ou même si à un moment donné, vous voyez quelqu'un dans un festival qui va pas bien, et eh ben prévenez un orga au moins et le laissez pas en mode ah, regarde lui il est en train de il est trop dans le mal quoi. C'est juste ça et ça c'est tous ensemble et notre communauté est plutôt bien là-dessus même dans les Belgique Hollande à être vraiment solidaire quoi. Si on a un pote qui va pas bien pour quelques raisons, hein, ça peut aussi être rien de la fatigue tout simplement parce que festival c'est long et ainsi de suite. Il faut prévenir les orgas parce que ils auront généralement prévu quelque chose et donc c'est comme ça qu'on peut essayer de faire au mieux, quoi. Après, on n'est malheureusement pas dans la tête des gens, quoi. On fait tout pour leur créer un beau décor, une belle soirée. Donc, profitez de cette soirée, quoi. Non, on n'est pas à l'abri d'un accident. Toi, t'en penses quoi, Guillaume, là-dessus? Est-ce que ça peut se contrôler ou pas? Non, ça ne se contrôle pas et c'est très compliqué. Enfin, nous, on a eu un énorme problème sur le hardcase. On a eu un décès à cause de la MDMA, hein, pour savoir. Donc, il ne faut pas dire qu'il n'y en a pas. Il ne faut pas dire, comme Franck dit, nous, on n'en parle pas et tout. Comme ça, les gens, ils n'en prennent pas. Nous aussi, on n'en parlait pas trop. On faisait un peu de prévention avec des stands et tout. Et au final, on a eu un accident. Donc, je pense que le mieux, c'est d'en parler et de dire clairement que ce n'est pas bien et c'est dangereux et qu'il faut arrêter ça. Et... parce qu'on pourra faire autant de fouilles, là je vois des commentaires, des gens qui disent pour renforcer de la fouille et tout. La fouille sur un être humain qui veut rentrer avec des stupéfiants, à part le déshabiller, je veux dire, il y en a qui passent ça dans les aéroports sans problème, donc rentrer dans un festival avec, il n'y aura aucun souci. Ce qu'il faut, c'est éviter que le festivalier achète ou avale ce stupéfiant. Voilà. C'est plus sensibiliser les gens. On a eu un malheur qui... j'espère va sauver des vies parce que je pense que on va vraiment mettre un gros coup là-dessus et on va je pense mettre en place un système de bénévoles uniquement pour ça qui va tourner dans le zénith et qui va repérer et essayer de trouver des dealers, des gens qui veulent consommer, des gens dans les étapes pour justement arrêter ça
Voilà, après il y a le festivalier qui va venir avec sa consommation ou qui a déjà goûté ou qui sait un peu ce qu'il fait. Et puis il y a le festivalier qui est là, innocent, alcoolisé, que quelqu'un lui vend quelque chose, il va mal réagir. Et enfin, nous, c'est ce qui s'est passé. Donc on est à l'abri de rien avec ça. Dire qu'il n'y en a pas chez nous, je trouve que c'est un peu une erreur parce que le jour où nous on pensait la même chose, et puis au final, on se retrouve avec un décès sur les bras à cause de ça. Donc non, je pense qu'il faut vraiment travailler sur la prévention. Il faut mettre des secours, mais c'est pas non plus, je veux dire, c'est pas en mettant 10 secours qu'on va sauver des vies, parce que une fois que le cachet il est avalé, il est avalé. Donc je pense que c'est vraiment sur de la prévention, mais ça c'est quelque chose. Je veux dire que c'est plus haut que nous. Je veux dire, ça serait à l'État de faire des préventions à la télé, dans les écoles, aux parents d'informer les enfants. C'est quelque chose qui est beaucoup plus loin. C'est pas l'organisateur qui va arriver là. On va faire le maximum, mais c'est du boulot qui se fait bien en amont. Et ça, il faut que tout le monde s'y mette. J'en dis. Voilà. Et franchement, pour ceux qui nous écoutent, là, arrêtez, commencez pas, faites attention, voilà, stop. Quoi. On fait des festivals avec de la musique, on n'a pas besoin de ça pour profiter à fond. La seule chose, c'est que vous allez profiter pendant une heure, et puis après, vous allez être en bad, vous allez... claquer des dents, vous allez être triste, vous allez avoir froid. Enfin, c'est inutile, quoi. Vraiment, c'est inutile. Donc, arrêtez et profitez justement de rencontrer des gens là-bas en festival, de profiter du son, de la déco et de ne pas vous retrouver dans un coin avec votre bouteille d'eau comme ça. Voilà. Mais les gars, en vrai, clairement, ceux qui nous écoutent, on ne fait juste pas partie de cette famille, donc arrêtez, quoi. Sinon, allez-y complètement, mais n'allez pas là, quoi. C'est n'importe quoi. Enfin, genre. Moi, ça me rend fou. Ce qu'a vécu Hardcase, j'ai adoré le post d'ailleurs que Guillaume a écrit, parce que voilà, le débat aussi fermé à la fin, ça ne crée pas le débat. Moi, ce que je veux, c'est vraiment pas créer le débat, tu vois. Et c'est là que j'ai trouvé assez habile l'écriture du post. Mais s'il te plaît, quoi, genre, les gars, juste, on fait pas partie de cette putain de famille, quoi. Genre, c'est pas nous, quoi, stop. Et pour répondre à un commentaire de Vix machin qui dit qu'on n'empêchera jamais les gens, que si hein, il faut qu'il y ait des stands pour tester la pureté de la drogue. Alors déjà, la drogue, c'est interdit en France. Donc pourquoi on va mettre quelque chose pour que vous testiez quelque chose qui est interdit? C'est comme vous dire, ouais, tu peux tester une Ferrari, tu peux rouler à 500 sur l'autoroute. Non, c'est limité à 110, donc ça ne sert à rien. Donc mettre un stand où on peut tester la drogue, c'est l'ouverture à n'importe quoi. Et alors quoi? Vous allez venir, vous allez tester votre drogue sur le stand, on va vous dire que c'est bon. Déjà, je ne sais même pas pourquoi on va dire que c'est bon, parce que c'est n'importe quoi. Le mec, il va le prendre, il va faire un mauvais mélange avec de l'alcool, il va décéder, il va mourir, et la famille va dire quoi? Ah, ben c'est l'organisateur, ils ont mis des stands pour tester les drogues. Il a testé la drogue, on lui a dit que c'était bon, et après, il est mort. Il faut arrêter les bêtises. Moi, quand je vois ce genre de commentaires, vraiment. Ouais, effectivement, mais je pense que il y a beaucoup de prévention pour l'alcool, etc., l'alcool au volant, etc. Il y en a énormément, mais il n'y a pas assez, je pense, de prévention dans les festivals ou même de stands peut-être aux entrées des festivals, des soirées, pour sensibiliser les gens justement au ravage de la drogue en soirée, en festival, etc. Donc peut-être que, voilà, communiquer là-dessus et faire de la prévention, ça peut être une solution pour avoir moins de problèmes avec ça, je pense. C'est comme tout le reste, hein, les accidents de la route, c'est pareil. On vous dit faut pas rouler vite, faut pas rouler alcoolisé, jusqu'à ce que le mec il se plante en ayant bu, il va se dire ah ouais, faut pas que je boive au volant. Et ben c'est pareil avec la drogue, voilà. Mm-hmm. C'est pas parce qu'il y a une station dans une voiture qu'il faut rouler à fond, quoi. Non. C'est clair. Du coup, on a fini les petites affirmations pour les d'accord ou pas d'accord. Et là, j'ai plus des questions ouvertes. Donc, si vous pourriez y répondre. J'imagine que donc, dans tous les événements que vous avez organisés, petits ou grands, vous avez fait des erreurs. Donc, quelle erreur vous avez commis que vous conseilleriez du coup aux personnes qui veulent faire un festival, faire une soirée hardstyle? Quelle erreur il ne faut pas commettre selon vous? Les erreurs à ne pas commettre, c'est d'essayer de ne pas en faire, en fait. Très clairement, c'est vraiment ce que je dirais en premier. Mm-hmm. C'est, ne vous focalisez pas sur ça. À la limite, c'est la question qu'il ne faut surtout pas poser pour se lancer, quoi. Sinon, vous n'allez jamais vous lancer. Juste faites-en, en fait. C'est le seul moyen d'apprendre des leçons. Mais alors après, on peut raconter plein d'expériences, nous tous.
problème, c'est que quand vous allez essayer de les éviter, vous allez avoir des œillères, vous allez très mal exécuter. Mais clairement, voilà, oui, en effet, il y a des erreurs de budget, il y a des erreurs de lieu, il y a des erreurs de com, il y a des erreurs de gestion de team. Mais juste, apprenez sur le tas. Il n'y a qu'en exécutant qu'on apprend, les gars. Juste à un moment, il faut juste se lancer et pas essayer de savoir ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire. Après, je laisserai aussi les autres parler là, si vous avez des choses à dire sur ça. Alexis, toi, t'en penses quoi ? Ouais, bah, des erreurs, on en fait tous et il y en a beaucoup. Après, je dirais, comment les combattre ? Un truc tout simple, c'est de suivre un peu la règle de 3. C'est tout simple, c'est de faire des prorata. Ça paraît bête, mais la plupart des gens vont commencer par un petit event et petit à petit grossir. Et ben, c'est de tester à l'échelle de son petit event combien il faut. Là, on va rentrer juste dans quelques exemples pratiques. Combien il faut de bière, combien il faudra de dimensions de sanitaire, quel espace il faudra pour la stage et ainsi de suite. Et ben, en fait, petit à petit, quand on augmente, il faut suivre ça, quoi. Et il y a des gros parfois qui font des erreurs et on se dit, et les mecs, qu'est-ce qu'ils ont fait, quoi ? Ils ont mis 20 000 personnes dans un endroit où on en tient 10 000. Qu'est-ce qui s'est passé dans leur tête ? Globalement, je pense que c'est un peu comme ça qu'il faut fonctionner. Faire sa première soirée, quelle que soit la taille, et s'en servir de référence. C'est-à-dire, qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui n'a pas été ? Et puis, on ajuste un petit peu, et puis c'est comme ça qu'on progresse. Voilà, je dirais. C'est un peu ça le mieux, parce que des erreurs, il y en aura toujours, de toute manière. Bien sûr. Alors, rien ne peut être parfait. Hein. Et toi, Guillaume, t'en penses quoi, du coup ? Est-ce que tu peux répéter, parce que du coup, je suis en train de répondre sur le chat et j'ai pas trop suivi la question. Ouais. Du coup, quelle erreur ne serait à pas commettre en événementiel pour pas se planter, ou quel conseil du coup t'aurais à donner à nos téléspectateurs qui veulent se lancer? Je sais pas. Ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre, peut-être. Enfin non, parce que ça, c'est mon plus gros défaut, donc ça ne marche pas non plus. Mais quelle erreur, mettre la charrue, non. Franchement, je ne sais pas. Se tromper, faire une grosse erreur de budget ou se lancer sans avoir tous les buts. Vous lancer, lancer le projet, attendez d'avoir un truc complet. C'est bon, là je peux y aller, quoi. Ouais. Une fois que tout est sécurisé niveau budget, quoi. Et n'hésitez pas à demander conseil et de l'aide à des personnes, aux bonnes personnes, parce que attention, tous les organes ne sont pas il y en a qui peuvent vous aider, il y en a qui vont pas vous aider. Donc faites attention quand même à qui vous discutez. Tout le monde n'est pas beau, n'est pas gentil. Donc, gardez vos projets pour vous, et une fois que vous avez quelque chose qui commence vraiment à être concret et que vous êtes à deux doigts de le réaliser, mais vous avez encore besoin d'aide, essayez de vous faire aider, épauler, mais voilà, par les bonnes personnes. D'accord, ok. Alors, petite aussi question qu'il y avait également par ici. Donc, si par exemple vous organisez une soirée et vous faites face à l'annulation d'un DJ à la dernière minute, qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour pallier à ce genre de soucis ? Je sais pas si vous avez eu des annulations de DJ, non ? Ouais, mais je crois que le tien est sympa, Guillaume. Tu peux. Ouais, j'en ai eu un beau, mais qui a sauvé l'assaut, en vrai. Donc, on a eu le premier, c'était Rebellion, qui était bloqué par la neige, à Arkezin. On en a eu un sur les... On a un que l'avion n'a pas pu décoller. Et puis, on a eu l'absence d'Anger Fist, où on a appris ça, donc c'était pour What the Case. Mm-hmm. Et on l'a appris, l'événement commençait à 14h, on l'a appris à 16h30 quand il devait prendre l'avion. Donc, on n'avait aucune solution. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas envoyer un skate, aucun de notre DJ. Enfin, voilà, ils nous ont prévenus vraiment à la dernière minute. Bon, moi, ça ne nous a pas inquiétés, ça nous a permis de lancer le truc. Et puis, une fois que c'était lancé, ça ne nous a pas fait. Disons que le coup de stress était court. Et au final, on a trouvé une solution sur place parce que les artistes, il y en a qui sont là parce qu'ils aiment ça vraiment. Mm-hmm. Et, oui, ils n'ont pas hésité à dire écoute, on va mixer à la place de Anger Fist. On fait un versus. Donc, Actor Rage et Rouleur, on fait un versus. C'est énorme. Voilà, donc c'est très stressant. Mais si les artistes qui sont derrière
sont bien gérés et sont contents d'être avec nous. Il n'y a pas de souci, vous trouvez une solution. Voilà, on aurait pu aussi remettre la French Hour. Voilà, on remplace ça par quelqu'un. Mais ce qu'il ne faut surtout pas faire, donc nous on l'a annoncé, c'est de ne pas le dire, de le cacher au public, de dire voilà, bah, en plus nous on n'avait pas de timetable, donc c'était facile, on aurait pu le faire tenir jusqu'à la fin, le Hunger Fest. Hein. Mm-hmm. Mais non, voilà, il faut annoncer, donc il faut annoncer que l'artiste ne peut pas venir et qu'on a trouvé une solution. Je sais qu'il y a certaines organisations qui vont faire durer des 7-15 minutes de plus, puis à la fin, le lendemain, sur les réseaux, il y a tout le monde qui va dire pourquoi le DJ n'était pas là. Mm-hmm. Je trouve qu'il ne faut pas se cacher. Si un DJ annule et ne peut pas venir, ben, ce n'est pas votre pote. Donc, voilà. Et puis, généralement, les solutions alternatives sont plaisantes. Nous, on a eu de la chance, tout le monde a adoré. Voilà. Ah ouais, c'était... Franchement, on n'a pas senti l'absence d'Angerfist. Franchement, c'était génial. Vous avez bien géré. Ils ont balancé du lourd, les deux. Hein. Franchement, c'était vraiment cool. Et vous, du coup, Arpus, est-ce que ça vous est déjà arrivé qu'un DJ vous fasse faux bond? Alors, DJ NL, je n'ai pas le souvenir. En fait, si c'est arrivé pour la Spark 2, la soirée qui a été annulée finalement, et c'était Warface qui était malade. Alors après, tu vois, les solutions, en fait, il y en a, hein, enfin, voilà, comme Guillaume dit, soit on s'arrange avec l'agence, il nous envoie un autre artiste similaire qui peut prendre très vite l'avion, soit on rallonge les sets des autres DJ, soit on, à la dernière minute, on arrive à avoir un DJ local, tu vois, qui peut jouer une heure à la place, tu vois. Dans tous les cas, il faut le communiquer sur l'event Facebook, ça c'est clair. Mais nous, on n'a pas vraiment eu ce problème. Alors, souvent, quand on a eu ce problème-là, c'est pour des DJ français. C'est aussi très embêtant. Hein. Mais voilà, la pression n'est pas forcément la même, évidemment, parce que l'argent, tout ça, bon, bah, en termes de logistique, c'est pas pareil. Mais sinon, on n'a pas vraiment eu ce. Alors, moi, que si Pierre Louis, tu me corriges hein, dans le chat, mais je crois pas qu'on ait eu ce problème-là, à part Warface, en effet, qui était malade la veille. De Spark 2, ouais. Mais qui a été finalement annulé le jour même par la préfecture. Mmh. Effectivement. Et toi, Alexis, est-ce que tu as déjà dû faire face à ce genre de petits soucis lors du Solar? Non, heureusement, on n'a pas eu. Mais ouais. Un conseil quand même pour les gens, c'est que ça peut vraiment arriver. Quoi. C'est quand même un truc relativement probable qui arrive. Mmh. Donc, bah, voilà, après, les solutions, comme on l'a dit, quoi, c'est soit de. Trouver des solutions avec les autres DJ qui jouent. Beaucoup de transparence, c'est a priori le mieux. Hein. Enfin, ça fait sens de dire tout simplement, voilà, pour une raison X ou Y, le DJ peut pas venir. Ouais. Croise les doigts, quoi. Ouais. On croise les doigts et puis si jamais ça arrive, être honnête avec son public, parce que c'est la moindre des choses, il se déplace quand même pour aller les voir et du coup, c'est quand même la moindre des choses. Prochain thème, du coup, on va parler prix du billet, prix des tickets. Donc, de quoi se compose le prix du billet? Par exemple, Guillaume, sur un ticket hard case, voilà, quelle partie X% est réservée au DJ, par exemple? Comment tu décomposerais ça? Alors, donc nous, sur un hard case, on est sur un prix à 41-42 €. Faut savoir que déjà, vous avez à peu près la moitié du prix du billet qui va servir à payer les artistes et les VHR du line-up. Et ensuite, on va dire que la deuxième partie, elle est divisée un quart pour la technique et l'autre quart pour la communication, le lieu et tout le reste. Ça, c'est par rapport à notre événement. Après, certains, ils vont mettre plus dans le line-up, moins dans la déco, dans le... Ceux qui sont outdoor, il va y avoir plus d'installations outdoor, donc du coup, plus de d'argent. Voilà. Dans notre cas, c'est à peu près comme ça. Donc, sachez déjà que sur un billet à 40 €, vous avez vos 20 € qui servent à payer le line-up. Et le reste, c'est pour le lieu et la technique. Voilà. D'accord. Et pour le Solar Fantasy, du coup, Alexis, ça se présente à peu près comment? Alors, c'est très très différent. Alors, on n'a pas un prix unique, c'est un peu compliqué parce qu'on a les billets jour, les billets week-end, les billets avec camping. Mm-hmm. On va dire globalement, le billet moyen, il va être autour de 15-20 €, quoi. C'est la plage. Donc, si on estime qu'on vise 2000 personnes, ça nous fait 30 KE à peu près de budget sur lequel on peut jouer, sachant qu'on a en plus de ça les
toutes les consos qui vont s'ajouter. Et alors sur ça, enfin sur ce budget prévisionnel, on a seulement 10% à peu près qui correspond aux artistes. On a un peu moins de 10% qui correspond à la com, parce qu'elle est faite pour beaucoup en interne. Mmh. Et après, on a un bon 50% qui part dans la technique, dans le matos, pas en loc, mais en achat. D'accord. Là, pas tout, mais on a une, bon, on a un peu de loc aussi, mais la grande majorité, on est parti sur des achats matériels. Ce qui nous permet de les avoir toute l'année, puisque vu qu'on conçoit le décor, on conçoit lentement, on est des bénévoles, donc c'est chaque week-end. Donc, c'est-à-dire qu'à partir du, sur un planning, à partir du mois de mars, globalement, on va commencer à mettre un peu des bois dans tous les sens et intégrer des lumières. Donc, du coup, on peut pas louer des lumières de mars à juillet, quoi. Donc, globalement, c'est pour ça qu'on est parti sur de l'achat, en majorité. Donc voilà, ça fait une partie très différente et il me reste les 30% restants qui sont de la sécu et des sanitaires. Ouais. Globalement. D'accord, ok. Donc c'est un ratio qui nous est vraiment typique à nous. Hein. C'est-à-dire que je pense que c'est très très loin de ce que peut être un festival normal, enfin sans parler Artaï, je ne sais pas si on prend un festival standard, je pense qu'il y en a énorme et ça se rapproche plus de ce que Guillaume a donné. Ça paraît logique de payer un artiste, je sais pas si on prend le concert de Madonna par exemple, je pense qu'il y aura un bon pari, un bon paquet qui va dans le paiement de Madonna et le reste dans de la sécu et tout ça. Mm-hmm. Nous c'est complètement l'inverse quoi. On est parti à fond sur développer le festival et le bon fonctionnement du festival et de la technique. D'accord. Donc, je dis pas que c'est ce qu'il faut faire, c'est ce que nous on fait. C'est de la transparence. Oui, bien sûr. C'est une bonne question. Je ne dis pas du tout que c'est ce qu'il faut suivre. C'est un moyen. D'accord. Et du coup, toi, Franck, comment ça se passe au niveau des tickets, etc. Pour les soirées à Paris, parce que c'est différent, tu vois, on a des soirées club et des soirées où on loue la salle et on s'occupe de tout. Donc, les soirées club, par exemple, tu vois, le deal est très propre à chaque gérant. C'est très, très propre à chaque gérant. Parfois on partage les frais sur le line-up, parfois on s'occupe que du line-up mais aussi de la déco, etc. Donc je vais pas trop parler club parce que c'est assez particulier, mais par contre lorsqu'il s'agit de louer une salle comme on fait à Paris avec le studio 7, c'est clair que la moitié voire un peu plus c'est le line-up, VHR compris. Quand je dis VHR, c'est tout ce qui est hôtel, avion, restauration, de tout ce qui est artiste, c'est ouais la moitié très clairement. On a des billets en moyenne à 20 euros. Voilà, il y a 10 euros qui part dans le line-up. Et dans les restants, on va dire, alors ça dépend des soirées, hein, c'est vrai, parce que du coup, on s'occupe aussi du bar, hein, faut savoir. On s'occupe du bar, donc on paye aussi tout ce qui est les consommations sur place. Donc je dirais que le bar plus le ticket, donc ouais, c'est ça, c'est le bar plus le ticket, on a la moitié qui part dans le line-up. Après la technique, on a le bon quart, donc je dirais les 25%, et le reste c'est tout ce qui est décoration, consommation de bar, et on a à peu près ouais, 10% qui est dans la sécu, 15% qui est dans la sécu. Je dirais que après c'est hyper variable, hyper variable. Tu vois, parfois dans la consommation on réutilise les boissons qu'on peut être vendues, la déco, on fait beaucoup de récup. Alors parfois on se permet de mettre un peu plus dans le line-up et un peu moins dans la déco, parce qu'on peut récupérer de l'ancienne déco, et du coup, on la transforme. Donc, c'est assez... mais dans tous les cas, en majorité, c'est le line-up. Et tout ce qui est technique déco, c'est franchement 75% du prix de l'événement. Très clairement. D'accord. On a une question, du coup, pour toi. Pour toi, Guillaume, est-ce que dans un endroit comme un Zénith, il y a les sécu-bars qui est inclus? J'ai pas compris ce que ça veut dire sécu bar, mais je sais pas. Vous voulez, quand vous louez un Zénith ou un parc expo, généralement, sauf si vous avez votre chargé de sécurité, ils ont des contrats avec des boîtes de sécurité. Donc c'est Zénith qui va vous fournir un devis avec l'allocation des espaces et la sécurité dedans et toutes les prestations complémentaires. Le ménage, l'électricité, il y a beaucoup de gens qui ne pensent pas, mais il faut payer l'eau, l'électricité, le ménage, tout ça, quoi. C'est, voilà. Donc, non, dans le devis du Zénith, enfin, généralement, dans les devis des lieux, vous avez la sécurité qui est inclue dedans avec les prestations complémentaires. Il peut aussi avoir des lieux qui vous fournissent de la prestation technique avec, des montages de scènes,
du son, de la lumière. D'accord, ok. Eh bien, écoutez, je pense que... Est-ce que vous auriez chacun peut-être un petit dernier conseil ou à donner à nos téléspectateurs concernant l'organisation de soirée? Est-ce que vous avez un mot à rajouter? Oui, allez, yo, peut-être, non. Bah, croyez en vos rêves, hein, les gars. Franchement, voilà, si vous avez un rêve, c'est d'organiser un petit ou un gros événement, allez-y, travaillez dessus et voilà, croyez en vos rêves, que ce soit pour un événement ou pour tout autre projet. Et foncez, quoi, et n'écoutez pas les autres parce que tout le monde va vous dire ça ne va pas le faire, ça c'est pas possible, nanana. Non, croyez en vous et allez-y, et puis vous trouverez toujours quelqu'un qui va vous épauler à un moment ou à un autre et qui va vous aider à réaliser le projet. Voilà. Mais accrochez-vous, vraiment, parce que dit comme ça a l'air facile, mais vraiment, à nous, de notre côté, franchement, on galère. Financièrement, c'est une catastrophe. Pour toute l'équipe, c'est très fatigant. On fait ça par passion, mais vraiment, si on n'avait pas l'équipe qu'on a derrière, c'est juste pas possible. Si on n'avait pas les prix qu'on a derrière concernant la technique et tout ça, c'est pas possible. En France, du moins, parce que nous, nos événements, on est entre 3 et 4 000 personnes. Et faire des décos et des show lights comme ça pour 3 000 à 4 000 personnes avec ce genre de line-up, faites des demandes de devis, vous allez voir. Enfin, voilà. Faut avoir les reins solides, mais la passion avant tout. Et puis, comme je disais, au niveau de la déco, ça coûte pas tellement d'argent la déco, mais c'est juste de l'envie, de la motivation, et un peu de place et des rouleaux de peinture et du bois. Et voilà, c'est pas ça qui. Enfin, mais ayez de l'imagination au décor. C'est pas ça qui coûte de l'argent et c'est ça qui va donner vraiment de l'ampleur à votre événement, qui va ajouter quelque chose. Donc négligez pas ça. Enfin, tout ce que vous pouvez faire au final qui ne coûte pas d'argent, faites-le. Vous dites, donc ça va. Faites le maximum que vous pouvez faire. Il y a des choses qui ne coûtent rien et qui ressemblent à quelque chose et qui sont bien. Par exemple, au niveau de la communication, si vous avez un thème ou quelque chose d'accrocheur, n'hésitez pas à passer du temps dessus. Ne validez pas votre premier visuel. Si vous avez plusieurs exemples de visuels et que ce n'est pas le truc qui vous donne envie, ben, refaites des visuels au papier, au crayon, jusqu'à avoir quelque chose qui est cool, quoi. Et voilà, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur et osez. Je pense que sur le thème du décor, Alexis, tu rejoins le point de Guillaume qui dit qu'on peut le faire soi-même. Il faut juste se relever les manches, vous qui faites tout le décor au solar. Tout à fait. C'est exactement ça. C'est de l'envie. Et moi, ce que j'aimerais faire passer comme message, c'est tourner ces inconvénients en avantages. Où qu'on soit, on aura toujours plein de trucs qui vont dire « n'y va pas ». Et du coup, je vais en citer quelques-uns qui étaient notre exemple. C'est en rapport avec le lieu. C'est-à-dire que nous, notre plus gros désavantage, c'est qu'on est dans une ville de 1500 habitants. Et comme on l'a dit plus tôt, cette année, on a réussi à faire le challenge où on a doublé la population globalement. Enfin, même s'il y en avait pas mal de la population qui était au festival. Mm-hmm. Et de notre tout petit village, on a réussi, qui est au milieu de rien, perdu au milieu du centre de la France. C'est un gros désavantage, ça, initialement. On n'est pas à Paris, il y a des jeunes, mais voilà, pas tant que ça. Donc, comment on retourne ça en avantage? Et ben, du coup, on est à la campagne, on a des tracteurs, on a de la place, on a des gens qui nous filent des coups de main. Et finalement, ça a été assez facile de ce point de vue-là, au moins de trouver un site alors que pour faire le festival. Alors que quand je parle un peu avec d'autres orgas, c'est leur principale difficulté. Et tu veux faire un truc outdoor, c'est très très dur parce qu'il n'y a personne qui voudra te laisser ta place. Nous, le maire du village, il était enchanté. On lui a dit, Bruno, on va faire un festival, on va aller dans le camping, on va faire un festival, t'es chaud? Il lui a dit, ouais, on y va. Et voilà, donc gros désavantage qui finalement s'est retrouvé très cool pour nous. Voilà, on avait plein de palettes qui traînent un peu partout, on les démonte et on fait un décor avec, quoi. Donc, mm-hmm. Un peu coude, c'est pas facile tous les jours, mais c'est vraiment là-dessus qu'il faut se centrer, quoi. Comment on peut hacker un petit peu son système et faire quelque chose de bien, finalement, avec pas grand-chose, parfois. Ouais, c'est clair. Je vois que tu as l'air d'accord, Franck. Toi, ouais, qu'est-ce que tu... Ça me parle beaucoup, ce que tu dis, et je suis très aligné avec ce que tu viens de dire. Souvent, ceux qui arrivent à faire quelque chose qui compte et qui est très grand, c'est ceux qui arrivent à trouver des hacks. Donc, c'est des moyens un peu détournés pour arriver à un résultat dingue pour très peu de moyens, tu vois. Et ça, c'est notre quotidien chez Harpels quand on essaye de faire des décos en polystyrène, si tu veux, ou bien récupérer des choses qui normalement n'est pas du tout
pour de la déco et on essaie de le transformer. Si tu regardes, il y a toujours régulièrement des pneus et des palettes à Defcon, tu vois. Donc, Complètement, complètement. Mais c'est le bon état d'esprit, tu vois. C'est le bon état d'esprit parce que tu rentres plus dans des cases. On est des pirates un peu, tu vois. On est des pirates pour essayer de s'en sortir et pour essayer de faire vivre cette passion-là. Moi, j'aimerais avant tout déjà remercier pour tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui soutiennent ces orgas-là. Parce que clairement, sans vous, on n'existe pas. Ça, on est clair. Nous, maintenant, notre taf, c'est vous donner envie de continuer à venir chez nous et de vous faire rêver de plus en plus. Maintenant, si je dois parler avec quelqu'un qui ne sait pas trop encore s'il veut se lancer ou pas, ce que je répondrais à cette personne, c'est que déjà, je le comprends. C'est pas facile. On croit que c'est un travail immense et c'est un travail immense. On ne se sent pas prêt pour ça. Mais juste, posez-vous la question, est-ce que vous allez regretter plus tard de ne pas l'avoir fait, quoi ? Et si c'est oui la réponse, mais juste n'hésitez même plus. Parce que voilà, il n'y a rien de plus frustrant que d'avoir des regrets. Et la vie peut s'arrêter à tout moment. Donc juste, franchement, allez-y. Et vous allez apprendre sur le terrain. En vrai, si vous foirez, qu'est-ce qui se passe ? C'est que de l'argent perdu. Vous pourrez toujours vous démerder. J'ai envie de dire, faut pas, dans ces moments-là, quand il s'agit de réaliser un rêve, l'argent, certes, peut être un vrai frein, une barrière, mais ça doit clairement pas être une raison pour ne jamais le faire. Très clairement. Donc voilà, ce serait mon petit conseil, même si je suis le premier à dire qu'il ne faut jamais écouter les conseils des autres parce que c'est sur le terrain qu'on apprend. Donc en gros, m'écoutez pas. Je suis pas très d'accord avec, enfin, je suis d'accord avec toi sur, pour la réalisation d'un projet si on n'a pas d'argent, mais si vous voulez faire un gros truc, à un moment donné, il vous faut quand même, enfin voilà, si vous voulez vous lancer dans quelque chose de gros, mettez des sous de l'argent de côté. Vous dites voilà, je vais préparer mon projet pendant 2 ans, 3 ans. Combien d'argent je peux mettre de côté? Voilà, parce que vraiment sans rien, vous lancer, ça reste quand même très compliqué. Ça, c'est dommage que vous ayez une super idée, un truc qui peut éclater tout le monde et qui vous manque cet argent que vous aurez pu avoir en faisant un petit effort pendant plusieurs années, en disant voilà, c'est comme là, ils veulent s'acheter des maisons, ils disent bon, j'ai économisé pour m'acheter ma maison. Ben, si vous voulez faire un festival, ben, mettez de côté pour pouvoir faire votre festival. Parce que, enfin, oui, ok, on peut réaliser ses rêves sans argent, mais franchement, c'est bien d'être utopique comme ça, mais organiser une soirée sans argent, ça reste quand même compliqué parce qu'il y a des acomptes à payer pour les artistes, il y a des acomptes à payer pour les salles, il y a quand même des frais à engager avant même d'ouvrir la billetterie que si on ne les a pas, la banque elle prêtera pas pour les festivals, c'est sûr et certain. Ouais, essayez quand même d'avoir un minimum d'apport, un minimum de quelque chose pour pouvoir lancer la machine. Sinon, vous allez toujours être freiné et vous dire c'est dommage. C'est dommage d'avoir un projet dans les mains et se dire il me manque juste ça pour l'avoir. Alors, vous pouvez l'avoir en faisant des économies un peu. Voilà. Enfin, ne vous dites pas plus sans argent, vous allez y arriver quoi, parce que c'est un peu se prendre, je pense, se tirer une balle dans le pied. Ouais. Ouais, non, mais t'as raison, hein, Guillaume. Et c'est d'ailleurs pour ça que je répète souvent à des personnes qui veulent se lancer qu'ils doivent penser gros, tu vois. Ils doivent vraiment penser gros, mais commencer petit. Juste quand vous n'avez pas d'argent, vous n'avez pas le choix. Vous pouvez que commencer petit. Et c'est dans ce sens-là où tu peux devenir gros, c'est parce que t'as commencé petit. Et c'est plutôt dans cet esprit-là que je dis ça, tu vois. Évidemment, tu veux faire un zénith, t'as pas d'argent, tu peux pas le faire. Je suis trop d'accord avec toi et personne ne peut pas être d'accord avec toi. Faire un petit événement, ça demande quand même d'avoir un peu des fonds. Et pour certaines personnes, il y a fond et fond. Et même si vous voulez organiser une petite soirée avec ne serait-ce un petit DJ, un peu de communication, il faut que vous ayez au moins un minimum de 1 000 ou 2 000 euros de côté. Sinon, ça va être très compliqué. Je veux dire, partir avec un 0-0, c'est possible. Hein, après, pour la petite histoire, tu vois, ma petite histoire, ma petite flash rêve qui a rassemblé 15 personnes et qui a fait démarrer la machine, je l'ai fait avec 10 euros. Et la soirée à Piga, je l'ai fait avec 150 euros. Mais en fait, ce que je veux surtout dire, c'est qu'aujourd'hui, si tu as assez de... Tu vois, tu peux très bien juste rassembler quelqu'un avec une platine et avec des potes et mixer ça, mettre une caméra, mettre ça sur les réseaux sociaux. Ça suffit pour démarrer un mouvement. Tu vois. Et il faut se servir de la puissance d'Internet parfois pour ça. Et c'est ce qui peut clairement te permettre... Et un jour, vous aurez l'argent pour faire ce zénith. Ah putain. Ah putain. Je crois, il est plus dans la conversation, Gaston. J'étais parti, je crois. Et... Oups. Ah. Gaspard, il a tout cassé. Ah si, c'est bon. Ça y est. Tu peux répéter, Franck.
Alors, je sais pas jusqu'à où ça, ça a coupé, mais clairement, je disais juste qu'il faut voilà, commencer petit avec peu de moyens, parce qu'il existe des petits moyens sur Internet pour se faire remarquer, pour qu'ensuite vous puissiez penser au Zénith dans 5-10 ans, quoi. D'accord, ok. Bon, bah écoutez, les garçons, je vous remercie. Je ne sais pas si sur le chat, il y a certaines personnes qui ont des questions, mais n'hésitez pas. Mais en attendant, ben, je voulais vous remercier. Merci d'avoir accepté l'invitation de Masterclass. Effectivement, du coup, je vous avais promis en début d'émission. On va avoir du coup une formation qui va sortir sur composer de la musique art style, et ça sera un module consacré au lead. Donc, ça va sortir fin de semaine. Donc, voilà, c'était pour le petit teasing. En attendant, moi, j'aimerais remercier vraiment Alexis, Franck et Guillaume d'avoir participé à cette masterclass. J'espère que vous avez appris plein de choses. En tout cas, c'était super intéressant. Réellement, merci. Et puis, n'hésitez pas, bien sûr, à suivre les orgas, suivre Lucia Media and Fun, suivre Apple, suivre OnCase sur les réseaux. Il faut soutenir orgas, sinon on n'aura plus de festival et plus de soirée. Donc voilà. Donc voilà, moi je tiens à vous remercier, et c'était vraiment très très cool. Merci à tous ceux qui nous ont suivis également, hein, bien sûr. Merci à vous, merci à toi Solène, c'est top. Merci Guillaume, merci Alex, c'était oui, cool. Et bonne soirée à tous, merci. Ciao. Ciao.